Bonsoir, c'est Marc-Armon Fourlieu sur Valor's Guide 2, Shadow Ram, dans un repère de Miles for France. On va se diriger aujourd'hui au cimetière zone restreinte en début de game. Mais maintenant, on a la possibilité de défoncer les portes pour casser la gueule à diverses créatures. Spoil, vampire, évidemment. Pour ça, j'ai différentes petites idées qui pourront me filer un coup de main. Enfin, pas des idées, des plans qui marcheront, c'est sûr. J'ai donc protection contre le plan négatif, j'en ai pris deux, parce que la zone va être infestée de vampires. N'oublions pas que Yann a cette amulette qui va me d'être immunisé à l'absorption. Donc si je le mets en première ligne pour qu'il absorbe au moins les coups, il pourra se défendre avec une peau de pierre, éviter d'être drain. Et du coup que moi j'ai le temps de niquer sa gueule. Donc ça a l'air relativement efficace. J'ai aussi, je dois faire attention à la confusion, le fait que ces mecs, là peuvent charmer votre groupe, ce qui est effrayant, parce que même les hommes peuvent charmer vos hommes. Ce ne sont pas des succubes, ce sont plutôt des mancubus, ce qui est donc très effrayant. Alors, je me demande juste si ils ont reset les pièges, je ne sais jamais. Je crois une fois avoir exploré un lieu où les pièges ont été remis. Et quand ça a été remis, ça a été forcément une grosse surprise et une mort longue et douloureuse. Ok, la porte bleue était ici. Ouais, les humains ne peuvent pas entrer ici. Malheureusement, mon pouvoir pour être résistant au plan inférieur ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Et hop, c'est pas plus ça, moi. Ils ont un spawn. Et ils sont en bas, mes gars. Je ne savais pas. Attaquons l'araignée sabre. Tant qu'à faire. Edwin a quand même eu la rencontre d'un de ses congénères de l'ordre. Le problème, c'est que comme Edwin a craché sur un peu ces gars-là, ces gars veulent le buter. Heureusement pour lui, ils ne l'ont pas reconnu. Vu qu'avec sa forme de femme, il a pu passer inaperçu, ce qui est donc bon pour lui. Si vous le balancez, ce qui est possible, vous avez le choix à chaque dialogue de balancer, eh bien, il va vouloir vous, il va se virer, votre groupe. Donc, ce mec-là, on le reverra en screen ou pas, ça dépend, je ne sais pas, devin. Alors, première étape, d'abord, c'est de lancer un ordre chaotique. Éviter d'être confus, c'est un truc qui me servira beaucoup. Je vais lancer ça sur Corgan, ou soit à l'abri de la domination. Et on va parler à ce brave type. Les araignées, oui, c'est sûr. Ils nous ont fait la purge dans le coin, apparemment. Et ce mage est suffisamment puissant pour créer un golem. Et revoilà la salle. Vous vous rappelez, on l'avait tué sur les docks. Mais comme on l'a pas achevé, ce vampire, il est revenu, enfoiré. Oh, c'est un vampire mage. Il y a un Grim Warder. Qu'est-ce que c'est? On dirait juste une armure qui avance. Derrière! Il s'est fait tuer par un Grave Warden. Ok, la pauvre âme. Notre principal adversaire. Et ce sont les vampires. Et il s'est fait tuer par un Grim Warder qui je ne sais même pas ce que c'est. Une armure vivante. Donc immunisé à la paralysée. Intéressant. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Un bâton masse d'armes. Sûrement un quarterstaff. Oh, renvoi de sort mineur. Oh putain, bouclier contre les sorts. Magie de niveau 9, ça. Alors, avant que j'oublie un truc, vérifions. Oui, je suis toujours en mode difficulté normal au cas où on se dit. Alors, comme, des fois ça a l'air simple, des fois non. Non, je vérifie, c'est bien la bonne difficulté. J'ai donc également ce parchemin. Ce parchemin me rend immunisé face aux assauts des créatures mort-vivantes. Immunisé contre toute attaque physique. Donc si les vampires veulent me vampiriser, ils ne pourront pas, je crois. Donc là c'est en tête, au moment que je vais frapper dans leur cœur. Non, c'est niveau 5, c'est un bouclier contre les sorts. Ce n'est pas un parchemin de piège à sorts qui a quasiment la même gueule. C'est juste qu'il y a des paillettes en haut de la lune, qui ici, il n'y a pas. Ouais, ça ressemble un petit peu, pas vraiment, mais un petit peu. Sur mon honneur, je n'attends qu'un mot de retour. Toujours prêt à rendre. Maintenant que la porte est ouverte et que le golem s'est barré, ce petit enfoiré, vu qu'il n'y a plus de maître, nous, on va devoir jeter un coup d'œil
ce maître fufu. Je suis à l'abri de ce que ça fait. Ton sang est une... Il me voit alors qu'il est invisible. Je suis invisible. Donc cette créature est... n'est pas clairement notre monde. Sanctuaire intérieur, hein. Ok, faut se protéger. Je suis invisible. Il ne me voit pas, c'est pour ça. Bien sûr. Vampire novice. Il y a un nom. Le nom est forcément un gros. Alors on va juste... backstab ce gars qui est presque mort, ce qui est pratique. Dépêche-toi. On va se mettre derrière pour qu'il en ait la hache à distance. Et on va se buffer avant pour l'immuniser au plan. Et une goule majeure. Hein. Et j'ai bien fait que ce con, il a réussi à vampiriser dès le début. Il y avait un vampire novice tantin. Hop, tu es novice. Tu es mort. Mais pas entièrement, hein. Ouais, enfoiré. Tu peux pas utiliser ça? Non. Oui. Alors, avant de déranger là-bas, on va voir déjà ce qui se passe. C'est pas un piège quelconque. Vous voyez, le truc pour éviter d'être piqué au niveau des levels a été directement dispel maintenant. Bon, c'est dur. Quelques rounds, c'est utile en plein combat, mais pas hors combat. Je suis à l'abri, certes. Je le ferai. Que voulez-vous pour un navet. Donc en allant ici en priorité, on pourra voir ce qui se passe. Je vais en garder un, du coup, pour le combat en bas, vu qu'il y aura déjà la salle, qui est donc un vampire supérieur. Ça me pique 4 niveaux d'un coup, ce qui m'est déjà arrivé avec une créature vampirique améliorée, un vampire majeur. C'est... la merde, un peu. J'aimerais scouter à l'environ de l'intersection qui est là, ça pourrait très mal se passer. Même si les potions, invisibilité, je peux toujours enfiler un Jan, si jamais. À moins qu'il ait un pouvoir de porte d'ombre. Il n'en a pas, ce qui aurait pu servir. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Ok, il y a eu un piège. J'ai entendu un bruit, aussi qu'il y avait un piège. Nous pouvons aller où? À droite, niveau inférieur. Sortie vers la surface. Ah oui, c'est la grande porte qu'on a vue une fois. Pas de piège. J'ai entendu un bruit, il y en a un dans le coin. Tiens, tiens. Argile, putain, argile. Forcément. Pas mal notre numéro, oui, non? Bien sûr. Comme Drist et Wulfar. Cette demeure n'est pas très piégée. Surprenant. Je ferai de mon mieux. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Oh, un pied, un lit avec des pics de dessous. Donc c'est méga sur les fakir. C'est plutôt, je pense, un instrument de torture. Nous avons un coffre et un gros tapis qui peut être piégé. Non, peut-être pas. J'entends des bruits de pas, mais pas de piège, hein. Bon, c'est tout bon pour être piqué. Et des pieux, on va les prendre. Quand même, quel genre de vampire utiliserait des pieux dans la propre demeure? C'est comme si qu'ils avaient sur leur table des oignons, hein, déjà prêts. Ok, argile, hein. On va devoir attaquer avec toi et les cognas. Bah alors, il est où ce con? Et bah voilà! Bah voilà, gros sac! Oh putain d'enculé! Ils sont comme de le stun. Tiens, c'est pris des dégâts de glace? Comme. Oh! Maintenant que j'y pense, Viconia, plus d'épaisse? Si elle peut quand même! Le flop d'épaisse, problème d'argile, c'est bien à savoir. On s'est jamais servi, donc je peux pas plus deviner à l'avance, mais. Ok, il peut avoir aussi d'autres soins. Un peu plus gros que ces soins à la con. Oui, bien. Alors on avait rien vu ici, hein. Et comme on a déjà tué un vampire, il a été surposé dans ce cercueil. On peut se retirer dans ce cercueil une fois vaincu. Si vous avez un peu un pied en bois, vous pourrez essayer de le tuer.
Et voilà, son âme, à présent, peut reposer en paix. Le démon est mort. Il y a d'autres liens encore. Ils vont tuer plus de vampires pour pouvoir, niquer sa gueule. Avec un grand tunnel, j'imagine qu'il n'y a aucun piège. C'est impossible. Est-ce qu'il y a vampire novice? Je suis à l'abri des indiscrets. Durst qui ne m'a pas vu. Je pensais qu'avec un nom pareil, quoique. Non, 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 c'est bon. C'est bon, ne s'inquiète pas. Blindé, je me dresse pour la justice. Ouais, comme tu dis. Ton verbe et ma volonté. C'est pas trop loin. Arrêtez de me reluquer. Et on va réactiver ça pour lui péter la gueule. Et je vais. Max table lequel? Il y a un gros. Je vais invoquer. Une créature fera distraction pendant que ce vampire va se faire mettre. Une invocation standard comme un squelette devrait rendre la chose utile. Voilà, petit vampire mort. Ok, Durst, bouffer la poussière, et c'est le cas. C'est du majeur, n'a aucune chance. Il m'a droppé quoi? Quelques thunes, ce vampire était quelquefois riche. Hop, deuxième vampire, mort. Il va rester encore un. Quelle est ma tâche? Je n'attends qu'un mot de votre part. Cette zone est sanglante. Il y a un piège, on peut utiliser le sang. Je sais pas pourquoi, que j'ai un talent de vampire qui est caché. Il y a encore un chemin ici. Secret, je pense, pour traverser plus vite. Par ici. Il y a un chemin par là. Et c'est sous ça. Non? J'arrive pas à trouver ça, moi. Bon, allons-y. Rempli de sang. Si je veux, bien sûr que j'ose. Oh! Il se passe quoi? Une masse au fond du bassin. Il n'y a plus rien dans la mare. Récupérer une masse. Masse de disruption, on dirait, non? Oh, je m'en souviens après toutes ces années. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait? De combat 2, 6, plus 4 contre les morts vivants. Oh, il doit se faire un jet pour ne pas être détruit directement. Cool, une arme qui va être utile dans les mains de Viconia. Avec une arme de rechange, spécialement pour les morts vivants. J'ai morts vivants plus et ogre, ou géant plus. Donc, ok. Que voulez-vous? Bien sûr. Et comme apparemment on est trop con, on passe pas. Et du coup, si, on passe. Rien ici? Non. Oui, je ferai de mon. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Alors, nous allons utiliser ce puissant guerrier pour scouter avant. Et nous, on va quand même trouver les pièges. Parce que. Si seulement. Oh putain, il y a un mage quelque part. Quelle est ma. Oui. J'ai pas assez de backstab? Vraiment? Attendissement. Ok, c'est pas si grave. Ce mec est ici. On va pouvoir dépasser sa distance. Mettre Fufu. Lui est ici. On va taper avec la masse. Anti-undead. Non, c'est le faux. Le vrai est ici. Le vrai il chasse. Il est là le vrai. Bon, je trouve l'invisibilité. Je crois que c'est le faux. Non, c'est la vraie, hein. Malheureusement, cette créature est enchantée pour ne pas crever. Qu'est-ce qu'elle a balancé sur sa gueule? À quoi je dois me battre? Simulacre? De quel genre aussi? Renvoi de sort, missiles normaux, armes magiques, bouclier. Je pense que je vais devoir lancer deux spells. Un pour les spells, son bouclier qui va absorber un de mes skills. Ceci est donc parfait pour ça. Et lancer un skill pour dispel la protection physique. Ouais, Min s'occupe de ça. Et nous on va aller au corps à corps parce que. Où est mon héros? Il est là. Question de stun, de marché. On la stun, on la dispelle.
Ouais, son illusion était quand même très puissante. Enfin, c'est pas une illusion, c'est un simulacre aussi. Elle s'est dédoublée, comme moi, j'ai pu le faire. Bon, bah, ça s'est bien passé. Essayons de tuer ce dernier squelette qui... truc. Comment ça peut déjà ? Vampire, ouais, vampire. Une potion de je ne sais pas quoi. Le vampire est déjà mort. Ce vieux cercueil grouille de verre. Et quelqu'un n'est pas encore mort ici. Donc, les autres ont été, vous avez vu, dans ce coin ici. Donc, vous allez voir d'autres repères à vampires dans ce lieu, ce terrain. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Le squelette tient le coup. Il est solide. C'est une tactique bien connue. Que voulez-vous ? Bien sûr. Oh, j'ai avancé sans réfléchir, moi. Espérons que... quelque chose ? Ce piège à pointe ? Apparemment pas. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Oui. Bon, très bien. Je ne suis pas si allergique. Non. Quelle est ma tâche ? Je... pas mal notre numéro, non ? Comme Dri... quoi ? C'est quoi ça? La croissance de torture. Ouh, torture. De croûtes de sang. On s'est dans la pièce sur le sol couvert de pointes pour y assaisonner les morts. Ah, d'accord. Bah, c'est pas con au final. En plantant les victimes sur le sol pointu, tout le sang se déverse vers la fosse. Donc, c'est pratique pour retirer le maximum de sang des victimes. C'est cool. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est cool. Ah, qu'est-ce que. Ça pique! Y'a rien de spécial? J'ai vu un truc là, mais. Oh putain, je me tire, je vais crever moi! Oh la souffrance! Je me demande si ces pièges sont trouvables. C'est possible. Ok, j'ai un petit sort de soin qui devrait, je pense, me filer un coup de main. Jusqu'à. Je suis invisible. Jusqu'à la fin de ce niveau. J'ai le temps que je me soigne. Et que mon personnage arrête d'être invisible, c'est qu'il peut être alliant. Sur mon honneur. J'ai un moyen, c'est d'essayer de crafter un truc. Oh, non, c'est bon. Ok. Donc, petit sort de soin. Et pendant ce temps-là, du coup, mon gars, c'est quasiment régénéré en entier. C'est pratique. Pas fait exprès. Bien. On va voir ce que la salle a nous offrir en termes de combat, de difficulté. Yann Yansen, pour vous servir. Oh, ça, je peux le faire. Déjà, on a un petit endroit qui est là, et une boule majeure. Oui. Je suis à... il ne verra pas ici. Et mon Jan est devenu malade. Et son dispel, au moins ça, le ralentir. Salut! Destiny de... Jan est malade. Viens, prends ça. Très bien. Et tu m'as droppé un bouclier. Cette fois-ci, je me plante pas, ce bouclier est bien niveau 5, il n'est pas niveau 9. Ça a quasiment la même gueule, mais peu importe. Alors, rends-toi utile, Jan, et essaie de trouver des pièges avant que je le fasse buter par un truc encore plus con, une goule. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. J'aurais juré, ce sera fait habilement et soigneusement. Attention aux angles. Si ce n'est promptement. Destiné YouTube. Que voulez certes, blindé. Où Minsk passe le mal. Pas de piège en vue. Nous sommes où? Ce lieu a l'air petit, comparé au-dessus. Ok, encore une goule, pas de soucis. On va backstab la bête. Oui, hop là. Ah ouais, bien fait. J'ai mal à con. Et il y a une grande porte encore. Cette porte a l'air relativement solide, peut-être pas celle de l'entrée. On n'a pas de golem pour la pousser. Vérifions ça. Si je me battre dans ce corridor, ça va être relativement difficile. Je vais devoir tanker avec mon gars et me buffer préalable contre la... le plan négatif pour me faire vorace mes niveaux. T'as une grosse distance, tu peux one shot les morts vivants, ce qui serait impossible, mais on y croit. Et attaque à distance, qu'on n'a pas la place pour circuler dans ce lieu. Et Dune va venir ici. Tu peux me filer un coup de main s'il y a encore un mage, un dispel, différentes choses. On a la magie, on a ce qu'il faut. Je suis à Ok, vampire novice, un grimoire encore. Vampire n'a pas été aggro, en raison que j'ignore. Il a pas la vision en fait. Mais Tarché tire bien moi. Ouvrage le pool. On va le pool. Trop rapide pour moi. Dominiki.
Il a voulu me dominer, mais il a planté. Oh, il est bloqué par son camarade. C'est dégueulasse, mais pour autant, je crois que je m'en servir. Pour lui casser la gueule. Oh putain, la salle. Trois vampires, hein. Ok, soyons pas putes. Je vais me buffer maintenant contre la mort, histoire que je puisse, enfin, point négatif, que je puisse commencer à taper en tac. Ok, maintenant il faut vite se manier le cul pendant que j'ai l'aggro. Ok. Attention Minsk. Tu te veux mais... Dans ce petit coin, nous avons la puissance. Où est-ce qu'on a de vampire? Ils sont là. Vampire novice, hein. Vite, flingons-le, hein, que c'est devenu invisible je crois aussi, ce qui n'est pas très très bon pour moi. C'est un vampire, ce n'est pas une chose. Ah l'enfoiré, t'es devenu invisible. Mon passif n'est plus effectif. Mon skill. Voilà, je lui casse la gueule avant qu'on le fasse vampiriser. Parfait. Et que... piège peut-être? Non. J'arrive pas à toucher ce con. Incroyable. Combien de défense ils ont? T'es qu'à leur toucher, est gigantesque. Chargeons dans le tas, il va pas y avoir d'autres vampires au cas où. Ok. Avance Organ, j'aimerais backstab la bête. Pédé. Grenade. Pas d'objet, on de leur part. Et que tu tunes. Collier à la con. Oui. Parfait les gars, bon boulot ça. Il y a quoi? Du sang encore? Du sang frais? Une source inconnue. Est-ce que les vampires se nourrissent de sang d'autres créatures que le sang humain? Je ne suis pas sûr. Ce comportement est inadmissible. Inadmissible, Minsk? Où est ma réputation? Réputation, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas si dégueulasse. J'ai tué quelques innocents, mais c'était drôle. Je suis pour ça. Je suis à neutre. Ils se foutent de ma gueule. Ça s'est tiré de mon groupe à 3. De réputation, je crois. Donc on a le temps avant que tu dégages. Enfin, tu dégageras pas. Pas encore. Plus tard, je vais lui botter son cul. Alors, pas de piège donc. Non, nope. Rien à voir. Qu'est-il derrière la porte? Potentiel stuff. Potentiel récompense. Non. Piège? Ouais, je savais. C'est plus trop carré pour pas être un piège. Bon, nous allons sortir avant de crever. Qu'y a-t-il de bien dedans? Quelques thunes, bah. Et un katana, probablement plus un peut-être. Une armure feuilletée, et je suis trop gros pour bouger maintenant. Bien joué. Écaille d'Achène, plus 2. Pas de pouvoir spécial? Non. Toutefois quand même, les armures de plus 2. De 2 uniquement, alors cette armure est feuilletée. C'est la même chose que mon armure de sombre maille, plus 3. Mais elle me donne un bonus dans la chance contre les dégâts de flamme. Donc, rétrospectivement, celle-ci est mieux. Enfin, celle que j'ai équipée plutôt. Et Jan, c'est quoi? C'est un plus 2, probablement le seul katana plus 2 dans ce jeu. À part celui que j'ai acheté, putain, de 30 000 dollars. De l'argent qui a été bien investi. Que vous voulez bien sûr. Donc, dans le coin, pas de piège. Tu vois ça, pour ce combat. Positionnons-nous de manière intelligente. Je n'ai plus rien pour m'empêcher le drain de niveau. Donc si je me fais drain deux ou trois fois, je peux survivre éventuellement. Et vu que j'ai un skill pour virer le drain. Ouais, la salle. Une embuscade. La vraie embuscade serait que toi tu viennes pour m'attaquer dans le dos. Mais tu es trop con pour ça. Et il se fout de ma gueule, il se barre haut maintenant. Ok, là ça pourrait être une embuscade du coup. Attention Jan, un griffon! Non, pas de griffon. Ce mec est un vampire troll. Je me tire, on dirait les créatures qu'il y a dans Monster Hunter. Il va en haut, vous allez en haut. Tant que vous montiez en haut, lui il va en bas. Vous allez en bas et remontez en haut. Des putains de créatures. Pas de piège ici? Vraiment? Même pas dans l'arche de Noé? Y'a que dalle! Un petit navire ressemble à une gondole. Une étrange énergie. Ouais, bah il est vide, bordel. Quelle déception. Bon, allons casser la gueule à la salle.
avant qu'il se barre encore quelque part. Remarquez, vu que lui il est immortel, il pourra le faire ça, pendant plusieurs années, il pourra aller en haut, aller en bas, et moi je mourrai de vieillesse avec le temps. Heureusement que l'IA est pas assez intelligente pour faire ça. Il manque quelqu'un. Qui... Oui. Ah, bravo Viconia, qu'est-ce qui t'arrive? T'es paralysé par la peur, t'es pissé dessus. J'espère que non. Alors je vous laisse deviner où est-ce que ce con est parti. Il s'est barré dans la salle avec tous les pics partout. Je devais rester de la grosse sans me faire poutrer la gueule par ses pics, mais... Eh mon squelette, il est encore ici mon squelette. Ça alors. Je pensais qu'avec le temps il a arrêté de dispel, mais ce pouvoir dure vachement longtemps. Je me demande s'il y a un niveau en plus par rapport à l'invocation. Durée 8 heures. Ah, effectivement, ça dure très longtemps. Ce qui, du coup, est pas mal. Il s'est quand même fait vampiriser deux fois. Donc, je vous donne plus qu'une baffe avant de crever. Mais une baffe, c'est ça de moins, pour ma gueule. Ok, essayons de faire un double backstab. Mettons-le ici. Je sais qu'il y a un piège dans le coin. Je vais voir si je peux détecter l'éventuel piège ou si ça spawn random sur cette carte. Du coup, ce serait relativement logique. Oh putain, la salle est grande quand même, hein. On va l'aggro ici. On va pas être con, mais lui, il va l'être. Ok, on est ici. On est prêt. Le squelette est là pour l'avant-garde. Et moi, je suis invisible, ce qui fait chier, du coup. Je vais filer, mais voilà, c'est quelqu'un qui est... Non, on va aller filer à Minsk. Minsk est immunisé à la domination mentale. Donc ça filera un coup de main, le temps que ce combat se fasse. Quoi? Abandon des ombres? Pourquoi? Ah, parce que j'ai fait du stuff pour ça. Vite! Je dois me shadowmeld. Voilà, je vais faire un double backstab. On devrait tuer cette créature en un instant. Oui, effectivement. C'est un tel pouvoir, je ne suis à rien. Ah, bravo, Rédi aussi. Qu'importe. Tu vas mourir, démon. Je peux détruire, j'ai un pieu. Le pouvoir du Christ est avec moi. Body. Est-ce qu'il est tout seul aussi, ce sac? Ouais, cours vite, hein. Putain de vampire. Bien joué, Jan. Qui a relancé sa gueule. Va le refroidir. Bien. Mort vivant, à l'instant de la magie, sûrement. Toutefois, quand même lancer une flèche de feu, rien que pour le fun. On va le casser à distance. Deux niveaux, vampirise. Et moi je backstab, comme un as. Et il est mort. Ok. Combien j'ai fait? 48? Pas grand chose, hein. Bon, puisqu'il est mort. Il est parti sûrement se barrer dans son cercueil. On va donc le planter avec un de ses magnifiques pieux qui est je ne sais pas trop où. Là, voilà, je veux ces pieux. Ces pieux en bois sont puissants et massifs. Servons-nous-en pour eux d'ailleurs. J'ai oublié de faire ça. Il me faut récupérer mes bottes. Puis moi ça, Minsk, qui n'est pas digne de partir d'un équipement aussi balèze. Oui. Au final, j'ai même pas besoin de me servir de mes, mon parchemin de protection contre les morts vivants. C'est pas grave, on fait avec. Ouais, il retournait ici, hein, la salle. Ce n'est qu'un spawn dans le coin, on sait jamais. Non. Ok, la salle. On va remplir ton cercueil de verre. Boum. Oh oh. Quelqu'un d'autre est ici? Que passe-t-il? J'espérais ne pas en arriver là, mais vous n'allez pas changer. Mais body. Chiotte, vampire majeur, supérieur même, une sorte de divinité vampire. Mieux que Twilight, enfin, difficilement faire pire, mais... Non, je vais te tuer, c'est mon boulot. Hein, tu veux des noms? Je ne te le dirai pas, démon. Ouais, c'est un peu méfiant quand même, hein. Nuisible, tu crois? T'es sûr, avoir tué 5 vampires, rendre moins nuisible. Non. Je suis frais dispo, une quête m'attend. J'ai dû payer pour ça. Si vous alliez avec Body, ça coûte moins cher et vous devrez donc casser la gueule aux voleurs de l'ombre à la place de elle. Mais en m'aidant des voleurs, j'ai accès à un peu de stuff en plus et aussi l'aide de Edwin. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Sinon, les vampires,
Je l'ai fait une fois. C'est drôle aussi. Et le stuff unique que vous pouvez avoir avec elle, pas avec les voleurs. J'ai payé. J'ai pas vraiment l'impression que l'or était vraiment utile. Parle et je te casse la gueule après. Je suis versatile, je suis génétique, je suis violent. Pour l'instant, respecte leur accord. S'ils me trahissent, je les tuerai aussi. Tu sembles surpris ? Pas tant que ça. Mais qu'est-ce qu'elle sait, Rodirinicus ? C'est la seule pour l'instant qui me parle d'elle, de lui, comme si qu'elle la connaissait. Mon pauvre cerveau pourra l'assimiler. Ne souhaite pas de mon cerveau ? Mon cerveau est... Oui, c'est parfait, mon cerveau. Ouais, pourquoi es-tu, Rodirinicus ? Ça me semble bizarre. Quelque chose d'y être ? Il a un puissant allié, du coup, hein ? Est-ce qu'il y en a d'autres, des comme toi ? Des aussi chiants. Ah. C'est ça qui me parle trop me rend malade. Me rend malade, dément. Non, ça va pas ensemble. D'abord je te bute, après, m'occupe d'Irenicus. Je suis curieux. Ok, body. Et actuellement, mon groupe est relativement présent, ce qui est surprenant. Préparez-vous à succomber au sommeil éternel. Le sommeil éternel ? J'ai pas envie de dormir, moi. Vite, squelette ! Déforme ma fierté ! Corgan, lance ton marteau. J'espère que ça va saigner. Et comme cette pute est supérieure, je pense qu'un bon diminution de défense servira. Ta gueule, Minsk, et tape ! Pas ta chochotte. Oui. La flingue mon squelette. La seule victime aujourd'hui dans mon groupe. Tu m'échapperas pas, gagnant. Oh que si. Comment oses-tu? C'est plus rapide que le vent. Plus rapide que... Oh. Moins rapide que le script, hein. Moins rapide que le script. On est ma quête, moi. Body savait. Et elle sait que je suis un enfant de balle. Ça, alors, surprenant. Plus qu'à retourner voir nos employeurs pour leur dire que ma quête était un franc succès. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Allons-y, Gamor. On a quasiment régénéré, on a utilisé que quelques pouvoirs mineurs. Vraiment, on peut se barrer, mais pas rentrer. C'est quelque chose de surprenant, mais bon, acceptons-le. Moins ma vie, moi. 54, 56, 130. Puis donnons la bague à toi, que tu auras régénéré tes 1 point de vie, que tu mets en moins. Je ne sais pas comment tu as réussi à faire ton compte, mais tu as réussi. Bravo à jouer, John. Et pendant que nous, on va se diriger au dock afin de revoir nos employeurs de l'ombre. Souvenons-nous qu'aujourd'hui, ça a été un succès. On a eu un peu de stuff, pas grand-chose. Même si on n'a pas eu grand-chose, cet argent sera vaillamment dépensé un jour. Pour l'instant, au niveau stuff, on n'a pas grand-chose de nouveau à payer. Prochainement, lors du chapitre 6, on retournera dans ces lieux, et dans ces lieux on pourra acheter du stuff qui sera renouvelé à la promenade de Walking via le marché d'aventuriers. Donc ça sera bien, mais pas avant le chapitre 6, on aura d'autres stuff à acheter dans différents endroits. Donc à vous de chercher, enfin moi je le sais, mais si vous ne cherchez pas, moi je chercherai. Alors je vais également transférer un peu de stuff de mon héros à quelqu'un d'autre, histoire que je puisse... Oh, il y a un vendeur qui est directement apporté ici, on va gagner un petit peu de temps en faisant ça. Qui pond la bague pour pouvoir vendre. Ouais. Tu vois, bâton masse d'armes. Hey, c'est du plus 2 quand même. C'est pas écrit. Petite stat cachée. Et voilà, on va comprendre ça pour l'instant. Tant que je ne retourne pas sur des vampires, il n'y a pas un besoin immédiat de me protéger contre les plans. C'est quoi, c'était là ça?
Note du contact. Ouais, pas de soucis, dégage. Potion de force. Ah, oh, 18. C'est plus du cul à 18. Refusons ça à toi. Plein de potions, mais ce sera pas utile. Ouais, ça se dégage. Et quelques pions en bois. Ouais, foutu nulle part. On va regarder un ou deux, juste au cas où. J'ai dit deux, pas trois. Bordel. Il faut que m'embêter. Je vais vite fait vendre mes deux conneries. C'est pas grand chose. Tant qu'à faire, ce. Ah, c'est vrai, je suis censé avoir ça, toi, avec moi. Pas celui-ci. Mais ça m'a aidé. Le fait d'avoir plus 1 en case d'armure m'a éventuellement aidé à pas me faire cogner. Donc, ouais, c'est pas si grave. Ouais, laisse-moi vendre ma merde. Pas grand-chose, mais... C'est ici. Hop. Quelle potion peux-tu te dégager? Défense, ça pue. Héroïsme, c'est... Bonus de points de vie, taco passe ça. Je te kill en 3 coups. Ceci passe à quoi? Intuition, sagesse. Ah, ça pourrait servir si je décide de faire un souhait. Constitution. Non, ces potions sont relativement utiles. Résistance au feu. Casque. HN dégage. Je garde le bouclier, au cas où. Défense contre le froid et le feu. Que t'en as plus 2, tu dégages. Et c'est tout. Alléluia. Allons-y, mauvaise troupe. Allons prendre la récompense auprès de... La récompense pour voir un groupe aussi stupide que Alan... Aran ? Non, c'est Aran, pas Alan. Je confonds avec Alan Wake. Peu importe. Oui ? Bien sûr. Hop, on remet ça correctement. Ceci. La défense, c'est bien. Plus 1 de défense, c'est toujours bon à avoir. Même polyvalence en termes de défense élémentaire est toujours bonne aussi. On sait jamais quand je prends un sur la gueule du feu ou de la foudre. Peut-être moins souvent qu'un coup physique. C'est vrai. On va arriver du coup. Tu es donc de retour. Mes espions m'ont appris que tu as affronté Body dans son repère. Voilà qui n'a pas dû être une mince affaire. Mon squelette a tout fait. Détruit un grand nombre de serviteurs, mais elle a réussi à se barrer. C'est sans conséquence. Ce qui importe, c'est que sa guilde ait été détruite. Nous n'avons plus à craindre pour nos amis à présent. Détruite, rien que par ça. C'était simple, ils ont pu le faire eux-mêmes. Vous voyez, l'armure qu'il a, une armure elfique, vous êtes tout vert et donc tout moche. Je te suis reconnaissant de ce que tu as fait. Nous avons un marché et je sais que tu es impatient de le voir respecté. Yep. Une confession. Passer l'éponge, comment? Oui, ça... bah actuellement, aucun des deux. D'accord. Un simple événement. Ouais, sans grand succès, hein, forcément. C'était un massacre, vous êtes fait pulvériser la gueule. Et tuer vos membres, pourquoi? Oh, ils m'ont fait sûr que j'étais le seul à être sorti en vie en fait. Ok. Ouais, alors pourquoi tout cet argent? Pourquoi pas m'interroger simplement? Être sûr? Oh, d'accord. Même endroit, bien sûr. Spell hold. Leurs pouvoirs leur sont arrachés. Comment on peut ôter les pouvoirs de quelqu'un? J'en ai entendu parler sous le nom de résidence, mais les mages l'appellent simplement Spellhole. Il s'agit d'un asile.
Ceux qui s'y rendent jamais n'en reviennent. Vous voyez, ça c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on a dans le jeu vidéo, c'est qu'on traduit tout et n'importe quoi. Là, en gros, la zone s'appelle Spellhold. C'est le nom de la zone. On ne traduit pas. On peut traduire, hey, ils vont dans la zone de retient pouvoir. Génial, super RP. Donc, c'est con. Les trucs comme font dans World of Warcraft sont tellement débiles. Comment maintenant se trimballe Blizzard Activision. Ça devient totalement n'importe quoi. Les vrais fans vomissent de la haine. On va une traduction à la con. Personne ne connaît cet endroit. Où est-ce? Asile et une forteresse. Indépendant territoire. D'accord. Difficile. Une fois sur l'île, tu seras seul. Il te faudra anéantir les défenses de l'asile et affronter les pirates qui gardent les lieux. Les pirates. Reviens avec Imoen si tu le souhaites, et tue Irenicus si tu en as l'occasion. Si Irenicus à l'asile, rien de plus de danger. Je ne pense pas. Non, il s'est barré, on l'a vu. Je suis prêt, pendant pas de temps, mettons les voiles. Je te souhaite bonne chance. On s'est pas reposé, mais ça devrait le faire, non? Donc je suis un pirate maintenant. Ya ya, fiddle-dee-dee, bang, pirate, is alright with me. Réveille-toi, mon enfant. Il est temps que nous procédions à une autre expérience. Non, par pitié. Patience, Imoen. Tout cela va bientôt finir. Non, pas ça. Je ne veux pas mourir. Silence, chien. Ton destin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es presque prêt. Elle sera satisfaite. Elle? D'autres personnes encore? Il faut qu'on rende rien. Rien! Voici le navire qui te mènera sur l'île. L'essentiel de ton or est payé ton passage ainsi que le silence de l'équipage. Ok. Que le silence soit d'or. Vous trouverez que mes hommes sont fort turbulents, de jour comme de nuit. J'encourage une telle maîtresse. Les habitudes de l'équipage te regardent, capitaine. À partir du moment où ils font leur devoir et mènent mes hommes à bon port dans les temps. Rien ne devrait vous contrarier ce soir, messeigneurs. J'ai croisé dans ces eaux nombre de fois et ne prévois aucun ennui. Cool. Cool, monsieur le pirate. Ça se passe bien. La galante. D'accord. Des dangers, tu dis qu'il n'y avait rien ici. Explique mon expérience. Ok, pirate. What else? Protection. Sim. Bien sûr. Et louche tout ça. Louche. Conseillère. D'accord. Intéressant, ça va être utile. Accrochons-nous. Un voyage de pur chaos nous attend. Des nouvelles s'est finalement révélé digne de confiance. En dépit des obstacles que vous avez dû surmonter pour parvenir aussi loin. Et vous voilà filant plein vent vers le large, le flamboyant Saemon variant à la barre. Le voyage est sans histoire, et si d'autres bateaux croisaient dans les mêmes eaux, ils ont su garder leur distance. Vous appréciez ce séjour en mer jusqu'à ce qu'une île pointe enfin à l'horizon. Elle apparaîtrait à certains comme un paradis, si seulement elle n'était pas dominée par une sinistre demeure. La résidence Spellhold trône au sommet d'une falaise. Ok, monsieur le narrateur. Examinons cette demeure. Nous sommes arrivés juste à temps, si je puis me permettre. Félicitations à tout l'équipage, ainsi qu'à nos visiteurs pour leur agréable compagnie. Merci à toi. Sacré voyage.
Une tortue dragon? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas vu tout ça, moi. Inspirer sa terre. Sans la merde. Eh, c'est moi. T'as beaucoup vomi, Kargan. C'est pas cool. De bonne entente, des coups de hache. Des frères d'armes. Ouais. Ok. Ouais, qu'il y ait confiance, hein. Il m'a l'air aussi relativement suspect, c'est bizarre. Tu le suis, vous voulez. Vous allez livrer, on verra ce qui se passe plus tard. Oh, de l'or est passé encore dans ma demeure. Ok, alors on a un niveau. Cette musique me dit que ce lieu est parfait. Non, épée à deux mains. Deux armes. On n'a pas le choix, c'est le mieux qu'on puisse faire en termes de DPS avec Minsk, ce qui est plutôt limité, mais bon, c'est utile, en son sens. Tout le monde a eu 54 d'expérience. Je suis encore à 3 bras, quasiment. Pas encore, mais on se rapproche. Ok, on a encore le temps. Et toi? Tu auras encore 100k. Et beaucoup, mon gars. 100k, tu dors? Yeah, man. Est-ce que ça m'a rechargé mes pouvoirs? Ils nous ont rechargé, donc je me suis reposé dans le bateau. Plutôt utile, ça. J'aimerais enregistrer des monstres. Quoi, c'est elle? Je n'attends qu'un mot de votre part. Oh, c'est des monstres en camp, je suis pas au courant, moi. Bon, ben on va affronter des monstres. Simon, oh, il y a un truc dans le coin. Échec dans les ombres. Il fait nuit, pas ma gueule. Échec, c'est bizarre ça. Bon, cette zone est dirigée par un globe magique. Ça se trouve pas, c'est invisible. Ça doit être ça. Bon. Que prépares-tu maintenant? C'est toi le monstre? Je n'avais pas l'intention de faire cela, mais les affaires sont les affaires. Je peux comprendre, mais de quoi il s'agit? Ceux qui me font face? De quoi? Des vampires? T'es trahi, hein? Des vampires! Et ils se cassent? Ils ont des noms, les enculés! C'est des gros vampires! Ok, faut que je prenne l'aggro. Et pour ça déjà, lançons ceci. Ok. Je vais relancer au-dessus du marché. Ceci. Pour éviter que moi, je sois confus. Enfin, charmé. Ok, sans blague, j'ai même pas besoin de magie là-dessus. Putain de vampire. Je l'ai crit, Minsk. Comment tu l'as crit? 46? Comment tu peux être aussi puissant, enfoiré? T'es que niveau 8, 9? Ok, peu importe. La tricherie. Il a plus peur que de quelqu'un que de nous. Ça alors. De body, c'est vrai, elle est terrifiante. Il a fui. Est-ce que je lui demande de le suivre? C'est pour lui mener à sa perte. Vas-y, fais ton boulot. Ouais, à la taverne. Mais Sanic.
Ok. Ok, si les ennemis savent que nous sommes ici, nous sommes un peu dans la merde. Allez, on y va. Et cette ville n'est pas explorée. Donc il va falloir jeter un coup d'œil à droite à gauche, savoir ce qu'on peut y récupérer ou pas. À part deux pièces d'or. Les pirates ! Fais la pirate ta vie ! Andar le pirate. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ils se battent ou ? Ah ouais. On va les laisser. C'est vrai. Une minute, petit homme. Mais il se bat, il y a une affaire. Foiré. On capte les pièces. Je me suis dit, ah, on dirait qu'ils se font, ils font joujou. Ils se gueulent dessus, et ils se tapent. Les cimetières, hein. Les marins, c'est pour ça. C'est quoi ça? Maison de Kaya. Le Kayo! Non, Kaya. Y'a que dalle ici. Ça pourrait être piégé. Au moins une chose est sûre. Dans ce terrain, qui est relativement sableux, je ne pense pas qu'il y ait des pièces qui traînent sur la longueur. Donc exploration va être bien plus simple. Juste un petit coup de dépucelage de piège dans le coin. Et s'il n'y a rien, on va looter un petit peu. Nous savons pas où il faut aller pour l'instant. Si, taverne. Ouais, vous voyez, piégé. Non, rien. Pas pour quelques thunes, vraiment. Oh, ça, c'est de la grosse gemme. 1K5, ça vaut environ. Et une gemme d'étoile d'eau. Ouais, bon. C'est bien, j'ai des pieux pour les vampires, mais j'ai pas d'endroit où je peux les buter. Donc, c'est un peu con pour eux. Enfin, pour moi. Laissez-moi tranquille. Reviens invisible. Oui, ce sera fait. Nous allons explorer pourtant notre abus de vitesse. Tu m'as bousculé, tu m'as piqué des thunes. Je le savais. Pourquoi tu m'as piqué de l'argent? Je suis obligé. Va te faire frapper encore. Qui te frappera? Remets thunes, enculé! Putain, le sale gosse de merde. Qu'y a-t-il en hauteur? Notre porte. Garde des portes de pirates. Puis-je looter ça? Je peux, c'est gros sac. Verrouillé. Comment je vais avoir une entrevue avec lui? On n'obtient pas. Recommander à sa connaissance. À moins que... graisser la patte. Mais t'es un pirate qui me dit que je peux te graisser la patte et que je te laisse partir. Hein? Combien sinon? 300. Ça coûte pas grand chose. Je pense qu'il va me baiser la gueule. Pauvre moi. Vous gênez pas? Non, ça a l'air correct. Cool, bon bah... a pu le tuer, j'imagine aussi, mais bon. Évitons d'être trop bourrin. Où est-ce que je vais là? Sans gouffre dans. Tiens, tiens. Sim est ici. Vers Spellhold. Un petit peu encore près, moi. Devant les pirates? Non. Avant de parler. Quoique, attendez. Je suis sur place. Autant les causer. Ça coûte rien. Je cherche la bonne voie. Je vais rentrer pour l'instant. Ouais, je vais en parler à Sonic. Sonic ? Non, c'est pas Sonic. C'est Sonic. Marin ivre. Ils sont bas des couilles. Tiens, marin, prends ton spectacle. À 2 francs, 3 sous. Non, 45 sous. 45 sous. Ça coûte pas cher. Qui es-tu, toi? Rien dans le coin. Ok, donc, demain des pirates. Qu'est-ce que c'est, ça?
Un lieu inconnu. Allons-y. Un vendeur. Le client est toujours roi. Il est prix triplé. On va voir ce que t'as. Non, caca. Pourri, pourri. Ça coûte un peu de découle pour que dalle. Épée. Masse d'un plus 1. Acheter un plus 1. Tiens, tiens. Votre familier. Ouais, c'est chiant. Si votre familier crève, votre mage est dans la merde. Votre pouvoir sommeil, déflexion. Brèche, adhérer l'instant, chaîne d'éclair, contingence, j'ai tout ça déjà. J'ai tout ça déjà. Ok, bon bah ça va être intéressant, mais non, tu pues, tu n'as rien. Je n'attends qu'un mot de votre part. C'est quoi ça? La salle des fêtes est fermée. On va revenir plus tard. Salut toi. Et si tu veux me tuer, bonne chance. Des duels. Oh, premier coup. Oh, ce qu'il lui met. Le résultat est tout fait, le résultat. Il a gagné. Qui s'occupe de ça? Courtisane, c'est des putes ça, ça? Es-tu une pute? Je gage que tu vas prendre. Ah mon dieu! Les catins. Catin. Enfin, elle encore, ouais, mais lui, putain. Callahan. Ouais, on va tuer quelque chose. On va tuer Callahan. Le fou de cette mer. Qu'est-ce qui t'amène ici? Cette ville avec un nom bizarre? Contrebande? Bah c'est con ça! C'est un pirate, forcément que... des larcins, tout ça. La routine donc, hein. Puis tu es l'asile. De l'huile d'olive! Attends... Il y a quoi dans la ville? Aventurier? Ah, boire et faire autre chose, hein. C'est un métier d'aventurier! Ça a l'air fascinant, mais on doit se casser. Ok, tu le dis. Ta gueule, mince, tu fais chier. T'es le seul à te plaindre. Tout le monde aime bien foutre le bordel. Tu peux rentrer ici. Et que dalle. Le seul pirate qu'il y a, c'est celui-là. Ah, c'était celui-là. Ils ont tous 45 pièces. C'est une famille ou quoi dans le coin? Qu'est-ce qui vaut 45 pièces? Des putes peut-être? Le singe vulgaire. Salle des fêtes pour payer pour l'instant. Demeure des pirates. Grimpons comme un singe. Une gemme. Un chien, une pute, non, courtisane, tiens tiens, c'est quoi ça? Une baguette? Une baguette de terreur? Bien sûr. C'est quoi ça? Inconnu, hein? Pète l'adepte, ce sera fait. Je peux pas... du conseil, mon devoir est de piller sa maison, s'il est ici, c'est un coup à m'attirer les foudres d'Odin dans la tronche. Mm-hmm. Oh, dois-je commencer à lui dire qu'il fait partie des marches à goulets? Ouais. Demander? Non. Le gardien? Quoi? Il est pâte? Me mettre à l'épreuve? Je suis là d'un coup de main? Des limites? Mais des limites de quoi? Ok, vite les gars, je peux pas tenir très longtemps. Place au héros. Potentis.
qu'il a fait. En bas de sort. Oh, salaud, j'en ai quoi? Déclencheur, boule de feu et... Il va encore à corps. Va me lancer quoi? Feu solaire? Un truc du genre. Mes gars arrivent au fur et à mesure. Oui, je ferai de mon mieux. Ouh, labyrinthe, labyrinthe. J'ai resté au sort, ça alors. Porte d'ombre, ok. Il faut une arme qui a plus de dégâts. Je peux pas l'avoir parce que je suis pas visible. T'as eu la gueule ! Non, c'est un doigt de mort ! Doigt de mort. Je sais pas, je suis vécu ! Je suis vécu, maman ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ok, même strat. Dispel. Ses pouvoirs. Cet enculé est un misible. Qui fait chier ? Ok, faut que je dispelle ça et ça. Et mon gars est KO, qui fait chier. Que voulez-vous ? Mais le mage est mort. Personne n'a preuve. Non, on va faire pas chier, Jeanne. Hein ? Tiens, attaque qu'elle dorme plutôt. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à piller ici? Quel drôle d'épreuve! Il est mort. Piégé, hein? Foiré. C'est de parano. Putain, mais c'est une de côté, hein? Il est tiens, ces 20 pièces. Un bouquin? Histoire des drôles. Tiens, l'histoire de l'éléphant noir. Des potions de soins. Un livre de sorts infini et une pierre, gardienne de l'asile. Ça pèse une tonne cette merde. Ah, oh, baguette de paralysie, hein. Ok. C'est quoi ça? Elle devrait vous permettre d'accéder à Spellhold. Ok, ça c'est fait. Chaque pas de Zurimoire, un sort infini contient un sort décrit et termes simples compréhensibles par un voleur, ou clair et margaillé. Ok. Donc cet objet est un objet utilisable. Tout le monde peut s'en servir. Il y a plusieurs pages dans ce livre. Et ces pages permettent d'avoir accès des pouvoirs. Attention, une fois que la page dernière est atteinte, on ne peut plus changer de sort. Donc est-ce que la page actuelle, boule de feu, est utile comparé à plus tard un sort que j'aurai dedans? Pour savoir, il faut juste enregistrer et tourner la page afin de savoir ce que c'est. Je pense, à moins que les pages tournent au fur et à mesure qu'on s'en sert. Ça peut être ça aussi, parce qu'il n'y a aucun truc pour tourner une page. Donc je pense qu'on s'en sert un paquet de fois, et chaque fois, le sort change. Peut être utile, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Bref. Pour l'instant, oui, ça c'est fait. C'est pas ce que je voulais. Laissez-moi tranquille. Faire en priorité, mais bon, c'est. C'est fait. Sur mon honneur, ce sera fait. Il y a quoi? Le temple? Le singe vulgaire? Que voulez-vous, bien sûr? Votre. Paria? Non? Oui. Edwin, que fais-tu? Enfin, Edwina, pardon. Je n'attends qu'un mot de votre part. Ceci est la taverne, hein, le singe. Je m'en souviens. Oh. Petite gemme. Allons au temple. Voir ce qu'il y a de beau. Ce temple est... Ce sera fait. Bizarre. Et très irrégué. Yep. Temple de Kilda, temple d'Umberly. Pourquoi troublez-vous de méditation? Bah, qu'offres-tu? Potion, bâton de piété, masse d'armes, ok, génie, utile,
Dion de franchise. 4 les contondants. Protection acide, froid, feu, mort-vivant, c'est utile. Y'a pas passé à la magie? Y'a pas, franchement, ils sont trop puissants, on a que trop peu. Mais je prends la protection sur les morts-vivants. Utile pour les vampires et autres acariens. Sur mon honneur, je ferai de mon mieux. Bon, alors taverne alors. On peut pas y aller et on peut y aller. Ok. Sans ma quête, comme il se doit. Vu que j'ai récupéré mon objet pour débloquer la suite du jeu, il y a un moment donné où ils doivent me dire que je dois aller parler à ce mec pour obtenir le truc. Ce n'est que lui, hein. Maintenant. Captain de Bobolds. Pute. Newf le pirate. Les mers sont bien agitées à cette époque de l'année. Ok. Les mers sont bien agitées. Oh, tu es grand aubergiste. C'est ça la vie de pirate. Aubergiste. Jimmy le pirate. Paul le pirate. Bill le pirate. Bill Cosby. Rien non. Tel que ces escapades terrestres. Un Dan. Et une jeune donzelle sur les genoux ferait de moi un homme comblé. Eh vas-y. Ah, vous faites chier, bande de poivrons, alcooliques, obscènes. Nouvelle Brano. J'arrive à la quête là. De chance. Vraiment. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Des AK comme de la guilde. Épouse. Ok. C'est facile. Derrière toi, vampire. Galvena, c'est de sa défaite. Je n'aime pas être contrarié. Oh, alors c'est sale défaite, sale sexuelle, on va dire. Donc cette fille est une genre de catin. Et elle, c'est un mac. Ouais, ça doit être ça. Et c'est pas Cupidon, mais. Il va me buter! Oui. T'es à 100 lieues d'y arriver, connard! Des meurtres au singe, hein! De quoi s'agit l'aubergiste? Dernier! Un verre pour savourer cette victoire! On était proche, mais il y avait des infos sur moi! Enfin, pour moi! Dis-moi ce que tu sais, c'est urgent. Ouais. Guilde des courtisanes. Ah, c'est mieux. Guilde des courtisanes, pas salle de fête, sur le coup. Oh, confusion. Riche et puissante, hein. C'est évident. Quoi son problème? Tomber amoureux, ouais. Yep, je vois ça. Putain de Mac. Elle souffre, hein. Ouais, on va essayer de consoler la veuve. Non, dans le bon sens, hein. Où est cette fille, Claire? Maison à l'ouest. Droite est gardée. Comme tout le monde, comme un client. D'accord. Plusieurs gardes, bien entraînés. Un sorcier apprivoisé, hein. Je te remercie. On va aller voir. Enfin, avant tout, on va quand même fouiller. L'enculé, il a un arc plus 1. Le petit salaud, il a voulu niquer ma défense, hein. Il a pas réussi. C'est ici. Kaya. On peut aller là maintenant. On va aller faire un tour. On va aller purger. On va purger. Juste pour voir ce qu'il y a ici. Au cas où c'était pas le nom de la dame. Non. Pas de soucis, c'est un écran qui est splitté. Donc pendant que je vais aller ici, mes gars continuent de marcher. C'est pratique, parfois. Donc, à quoi? Sorcier apprivoisé. Il devrait pas être trop dur, vu qu'on a tout mon groupe qui est présent.
Enfin, tout, sauf des cognons, mais va arriver. Donc ça va bien se passer. N'enregistrons pas. Votre puissance, à elle seule, suffira à vaincre. Son vrai petit. Qu'est-ce que ça donne S? Jamais personne. Dois-je rentrer là-dedans en tapant dans mon tas? Non, elles sont rentrées de manière discrète. À la porte? Un tout petit cadeau. Il n'y a pas un secret dans le coin? Si, il y a toujours un secret là-dedans. Verrouillé? Je ne crois pas. Je ne suis pas un voleur, mais ok, bah va crever, bâtard. Va crever. Qu'est-ce qu'il le faut? J'attends les. Je vais leur casser la gueule. Ah, salut le mage. T'as lancé quoi? Les armes magiques, hein. Tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. J'ai une arme non magique d'équiper. Et j'ai aussi une hache non magique. Et moi je prends la relève. Je vais te filer un coup de main. Aucun effet, vraiment. Il a fait les deux. Pas grave alors, on va juste prendre ça. Prendre ça et lancer une brèche. Niquer ta protection de merde. Je ne mécanise pas les illusions, hein. Y'a pas de soucis. Ah, et maintenant elle se protège contre les armes non magiques. C'est vrai qu'elle dort. Corgan, confond les deux. C'est quoi? Clé de la guild? Ouais, un peu tard, mais bon. Vanilla et Vanilla. Bon, allons voir les putes maintenant. Bah, j'ouvre juste la porte, hein. C'est un secret, c'est tout. Quoi? Oui, oui. C'est une tactique. Alors, que cacombe. Ta combe pourrait être piégée. Que voulez-vous? Je suis certes. Oui, oui. Oh, ça. Oui, je peux le faire. Reste invisible. Sûrement, forcément, on pense un ou deux gardes. Dans le tas. Non, t'as piège. Yon, yon, je ne peux pas. Je suis allergique. Quelle est ma tâche? Bon, très bien. Bien sûr. C'est pas si allergique. On peut rentrer par ici, hein. Oh putain, forcément, à chaque fois je me mets... Oh fufu, il y a un con qui est là. Identifiez-vous. Capitaine. Le capitaine. Minsk et Bou sont le mal goûtera de mon épée aussi longtemps. Ouais, personne ne viole mon corps. Capitaine. Oui, Abby, le destin n'attend pas. Je me dresse pour la justice. Edwin, tiens, fais un coup de main. Pas utiliser le pouvoir, pour sa gueule. J'ai subis des dégâts, mais ça va le faire. Votre puissance à elle seule. Tu peux le faire, Bicogna. Pas costaud. Voilà ça, boulot bien fait. Donne-lui ça, que ça sera généré gratuitement. Mais c'est ça là pour l'instant. Que voulez-vous? Je n'attends qu'un mot de votre part. Pas mal notre numéro, non? Hop, allons ici. Oui. Alors, elle a fait une. Elle barre plus 1. J'imagine. Ah, pas celui-ci. Ouais, ils ont de la merde, hein. Puis-je monter tout seul? Bien sûr. Dans chaque chambre, sous la cave du stuff à looter. Donc, verrouillé, hein? Qui a la clé? C'est toi qui l'as? Clé du donjon. Non, c'est pas celle-ci. Non, pas la bonne clé. Bon, bah. On va trouver ça. Oh, ça, je peux le faire. Ouais, alors trouve. Cherche.
sais qu'il y a la possibilité d'avoir des meilleures potions de soins, mais c'est uniquement dans le Trône of Baal. Pour l'heure, on est obligé de prendre ces potions de soins majeurs. Les soins supérieurs seront plus tard dans le Trône of Baal. C'est vide ! Putain de merde ! Comment ose-t-il me faire ça à moi ? C'est une porte. Porte, et on ne sait pas. Qu'est-ce que vous avez à raconter ? Garde, ils sont morts. Il n'y a rien à piller ici. Nope. Ce sera fait. Personne ne m'aime. Votre grandeur. Je suis joli et tout, mais non. Mais, la porte, hein, amuse-toi. Je le ferai pour un navet. Alors, cette pièce est vachement large. Il n'y a pas un petit carré par terre là qui me dirait que. Dans le coin, il y a un truc qui n'est pas net. Tu m'en sors la gueule. Non. Alors, ici. La porte du fond peut être crochetée éventuellement. Donc, ne t'inquiète pas, par contre, souci, non? Non plus, ça va. Plein de Galvena. Eh ben, Pousson, elle a sûrement été punie, au fond, pour avoir, genre, été amoureux de quelqu'un, j'imagine. Oui. Ouais, elle va faire la gueule quand je vais dire que son mari est mort. Très bien. Enfin, son mari, son concubin. Bien. Hé, hey, parchemin! Quelqu'un? Non? Voici Claire, voici Vadek. Malheureusement, je pense que les chances que Vadek me laisse me barrer va être la merde. C'est sûrement le mage où, elle s'est, où il s'est entiché. Donc, il doit être ça, je pense. Que voulez-vous ? Ok, voyons voir. Je ne prends aucun plaisir à parler à des pouilleux de votre espèce. Pouilleux ? Toi, tu vas crever, toi. Un exemple. Ton invité. Ces gardes ont mangé la pièce en lait par la racine. Dead. T'es guillé n'est plus. Tu vas payer, salope. Courage. Je suis un pire, mon sérieux. J'ai 9 de réputation. Je vous emmerde. Avec plaisir. Tiens. Oh putain. Vadek. T'arrives quoi, Vadek? Tu fais pourrir la gueule. Adieu Vadek. Ta contingence a déclenché un petit peu trop tard. Ça a déclenché, je pense, qu'on était impuissant, donc paralysé. Mais... comme il est nul. Ouais, tout le monde est pourri dans ce jeu. Bâton plus 1, j'imagine. Et un truc que je peux pas prendre, que la porte est fermée. Putain. Et un fléau plus 1, je pense. Byzantine plus 1. Et un bâton de combat. Jette, on a foot. Albarde inconnu. Ouais, oh, c'est du plus 2 actuellement. Et un arc court plus 1. Yep, c'est bien ça. Cuir, bâton plus 2, je pense. Et fléau plus 2. Fléau plus 2, un bâton de cuir. Oh, on peut pas trouver ça, moi. Hein. Intéressant. Du plus 3. C'est pas si dégueulasse que ça, apparemment. Pas si aux apparences. Est bien sûr. Qui est ici? Personne? Non. Tu es libre. Bonjour, la compagnie. Oh, elle allait te buter, hein, salope. Sanic, malheureusement. Yep, c'est Gavana qui a tué Sanic. J'ai tout vu. Enfin, non. Pas vraiment. Mais c'est un assassin qui a été envoyé par Gavana. Pour autant, devrais-je vraiment... Mettons la réponse 2, j'aimerais avoir plus d'infos au cas où c'est son mari qui avait fait des choses. Tué, malheureusement, oui. C'est une salope, voilà ce que c'est. Ouais, je voudrais les infos avant de... Les secrets, je ne sais rien. J'ai un ami à sauver. Golin. Où est Gorin? Je lui ai parlé. Près des docks.
Venez, je vais conduire. Ok, c'est plus rapide que prévu. On a plus 4, j'espère, hein. Bonjour, la compagnie. Mais, de quoi? Expérience, ouais. Bon, 2000, c'est rien, mais c'est 2000 quand même. Ouais, j'ai tout fait, tout seul, presque. De la thune, ok. On pénétrer en asile. Oh bah... Oui, c'est tout son argent, je veux bien le croire. Quand on les tue, il y en a 45, qui m'en file 22. Plutôt cohérent. Ceux qui rentrent ne ressortent jamais. Pas de grand secours, hein. Les machins à gouler et les déviants. De dons. Et l'esprit spacieux. Spéciaux. Ouais, spéciaux, spacieux, je vais râler. Pas moins de mages. Ouais, le mec que j'ai buté, il est mort. C'est déjà fait, je suis déjà convaincu. Je vais remettre son objet. C'est déviant, de quoi s'agit-il? Sous quoi s'agit-il? Un couvre dommage. D'accord. Deschéric? Qui est-ce? Plus à l'ouest, vaste bâtisse, fin des collines. Ok, je t'en remercie. C'est ce que je voulais savoir. Bon, on a eu des infos. Il ne reste plus qu'une chose à faire maintenant. Allez là, allez parler au roi des pirates. Le reste a été exploré. Singe, caverne des fêtes, maison, temple. Lui était ici. Et une baraque à la con, je ne sais plus trop où. Sa maison. Un lot dans le coin. Je pense pas avoir foiré quelque chose. Là, c'est la maison. Ils ont été ici en bas. Que voulez-vous? Plus à l'ouest. Que ce serait ici. L'endroit était vide, je crois. L'autre à gauche également. Non, t'es le vendeur, c'est vrai. J'ai oublié qu'il y avait un vendeur là encore. D'ailleurs, il faudra que je vende avant de me tirer d'ici. Enfin, il n'y a pas grand chose à vendre, mais le truc à vendre, déjà ça. Ma bague est la bonne que j'ai équipée, ok. Oui, je ferai de mon mieux. Alors. Oh, salut des chariques. C'est pour ça que j'arrive pas à le trouver en fait. Oui. Puis-je piller ta demeure sans me faire péter la gueule? Et moi, sûr, enregistrant. Quoi faire en sacré bout de temps. De sac. Mon honneur, très bien. Chose sans intérêt, hein. Ok, il y a deux objets éventuellement. Pique à ça, je suis hors de vision. Ouais, zone est rentable, et voilà. Un petit stack de 5. Des chariques. Qu'est-ce que c'est que cette intrusion? Qui êtes-vous? J'ai payé le garde. Il est intelligent, ouais. Demande à entrer à l'asile, je vais m'aider. De mes habits là-bas, je pourrais te tuer, mais non. Aidez-moi à la libérer. Devenir fou. Hein? On va les avertir, enculé. Oups. Boulette. Quoi? Bon, au moins je change les voix. Oh. Piller les affaires. C'est au moins la bonne chose qui peut m'arriver. Cette tapisserie au sol est dégueulasse, mais c'est piégé. Donc tout ce qui est dégueulasse est forcément piégé. Arbalète.
lourde? Non, légère. Quelques potions encore. Allez, gros sac! Plus vite! Allez, John, tu peux le faire! Bravo! Ouais, on va être légère, plus 1. Et plus de potions, au cas où ça nous manquait un jour. On n'a pas besoin. C'est ici. Que voulez-vous? Bien. Ok, bon, c'est toujours le gros sac qui a décidé de m'envoyer me chier, ce qui est pas très bon pour moi. On va du coup se diriger directement au nord. J'ai la pierre pour rentrer, donc je pense que son aide, je peux m'en passer. Mais je vais quand même vendre avant. Mon inventaire est. Il est pas plein, mais il va commencer à se remplir au fur et à mesure. Et l'endroit où on va aller, c'est possible. What the? Le split? Le split magnifique. Possible que mon stuff soit au-delà d'une seconde. Je vais équiper ma bague pour revendre plus cher. Oui, c'est possible, dans la vidéo. Le client est toujours roi. Non, c'est réponse 1. Mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Je fous ma gueule, c'est marqué 3 fois plus cher. Arnaqueur, putain de pirate, va. Il n'y avait rien. Rien. Plus 3. Tu sens que t'as rien, toi? Non, c'est vrai. La légende a fait qu'il n'avait rien. Si besoin, j'irai virer mes pieux, s'il me faut des places en inventaire. Albarde, casque, ampe, bâton, fléau, blablabla. Ah, j'ai vendu. Équipons ça correctement. Et tout se passera bien. Oui, on n'est pas sûr. Voilà, direction Spellhold, la demeure des déviants, pas la déviants comme il y a dans le Shingeki no Kyojin, mais on se rapproche pas trop mal. Malheureusement, le fait qu'il va appeler les machins goulés va me poser un petit problème, je pense, plus tard. Enfin, s'il veut se plaindre à celui-ci qui est en bas, il est mort, donc il y a pas vraiment de soucis à se faire, mais... S'il en cause à d'autres, ça pourrait être la croix à la bannière. Vous vous posez, moi? Non, j'utilisais quoi? Horde chaotique, un autre truc pour le contre les morts vivants, et puis basta, donc niveau spell, on est correct. Jeton invisible. J'ai un jeton de vigilance pour ouvrir un portail. Envoyer un message à la Ran. Ok. Allons à Spellhold. Oh, cinématique, hein. La porte d'un monde fou, sauf Tranu. Ce sera fait. Ce pont peut pas être piégé quand même. Juste un pont, n'est-ce pas? C'est que c'est une demeure de mage. Nécrophage, hein. Oh putain de merde. Et plus tard, je domine ce passage. Dépêche-toi. Où est le nécrophage? Il est là, c'est pas fait. Qu'est-ce que tu veux, mouchon? Ça va saigner. Ok, essayons de DPS nécrophage en priorité. Nécrophage pue! Ok, pas de nécrophage dans les pattes. Peut-être cher payé, lancer deux flèches de feu sur une créature à la con, mais. Voilà, repousser les morts, affiler un coup de main, enfin pas beaucoup, mais... Il faudrait que je sois invisible dans ce lieu. Je pense qu'en étant en fufu, ça permettra de... Nécrophage ? Nécrophage, putain. Putain, l'enculé de nécrophage de merde ! 14. Ça fait un des niveaux, je crois. Non, deux. Deux niveaux. Un niveau absorbé. Bon, c'est juste un niveau, ça fait chier. Sinon, je dis, je voudrais être invisible et essayer de one-shot les nécrophages qu'il y a. Mais j'ai pas eu le temps, c'est le gros sac qui avance trop vite, il va falloir être distant, boum, absorbé.
bordel. Un autre. Non, plus de sac par ici. Tu l'as cru, sur deux coups, il a seulement chopé une fois. Le fait que mon gars a quand même une grosse grosse défense, je me suis sorti. Échec, camouflage. Quoi? Il y a un truc en bas. Ok, ombre, nécrophage, ombre, démombre, nécrophage. Maintenant, trouvez le dos à ces créatures. On voit que dalle. Alors, je dirais que son dos est ici. Soit leur mouvement, quand ils se déplacent, soit cette forme d'ombre, soit par ici. Donc, c'est un backstab. Ok, ça c'est fait. Maintenant il faut en commande la team. Que ce démon arrive à me paralyser. Ce qui est possible. Ça, ça aurait été bien si j'avais fait ça avant. Enfin, pas que j'ai pas voulu le faire, c'est que j'ai pas eu le temps. Ok, direction nord. Tiens, juste parce que. Vous pouvez le faire. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Rien ici. Ah hein. Bah, descendre ici. J'ai vu un truc, vous pouvez y aller. Tu ne peux pas. Je suis à l'abri des yeux indiscrets sur ceux de mon espèce. Sans rire. Qu'est-ce que tu racontes, John? Des conneries encore, hein? Parfait. Rien et rien. Ok, la porte, je pense, a été ouverte avec la pierre que j'avais. Entendre ce bruit, le vring, signifie qu'une chose a été faite. Pas besoin de ça, c'est fait. Autre clé éventuellement? Non, ça je garde. De Galvena, ça dégage. Voilà. Bon. J'aimerais bien virer le niveau quand même, Corgan, un en moins. Je perds des PV, je perds des champs de toucher. Recherchez-vous quelque chose de... Ok, tout simplement à la solde, dit Renicus. Excusez pour Imoen, où est-elle? Vous vous inquiétez pour une certaine Imoen. Je viens de te le dire, trou de balle. Elle se porte à merveille. Vraiment. Je vais d'ailleurs vous mener jusqu'à elle. Je tiens à préciser que mon institution n'est en aucun cas une prison, mais plutôt un établissement d'études et de soins. Ouais. Alors rends-la moi. Pas assez simple. Rien n'est jamais simple, c'est pas faux l'ami. L'atmosphère y est lourde. Ouais, c'est comme vous allez à l'hôpital, vous entrez dedans et vous savez, cette aura. Déjà ça pue la merde déjà, ça sent le vomi et les médicaments. Et on sent un truc, comment on se sent accablé par une sorte de mal qui vous assaille. Non, vous allez être malade si vous restez ici. Tu as raison, John. Ces lieux sont corrompus par le mal. Alors passe devant, je me méfie. Ouais. Ce sera fait. Une seconde, puis je dois piller ce lieu avant. Salle commune, des internes. Sauvegarde impossible. Du tout de ma gueule, j'ai oui, plus sauvegardé. Verrouillé, vraiment. Toujours prêt à rendre pas mal notre numéro, non? Comme Drist. Protection magique, hein. Minster et Volo. Ah, ouais. Une folie. Et si on et ce lieu est une personne très puissante. Tiens, qu'elle soit pas franchise. Tout ça n'annonce rien de bon. Notre résidence pour magiciens surmenés elle dispose d'une capacité d'accueil sans égale. Tous nos pensionnaires bénéficient d'un encadrement personnalisé. Si tu le dis. Notre but est de mieux comprendre leur comportement. Voyez la jeune Dilly, par exemple, que ses talents
irrémédiablement écartée de sa famille. Elle fit preuve d'une étonnante capacité à maîtriser l'énergie magique et ainsi à changer son apparence à volonté dès son plus jeune âge. Oh, vraiment ? Tu as un nouveau visage aujourd'hui ? Je crois bien que oui. Je peux voir le vrai ? Peut-être que demain je serai toi, d'accord ? Tu fais peur. Elle est en sécurité parmi nous, d'autant que nombreux sont ceux qui envient son pouvoir. Son savoir est... rare. Utile. Voici Wanev. Il était le coordinateur de la résidence avant que je n'entre en fonction. J'ai personnellement diagnostiqué une trop intense exposition aux forces magiques. Oh, trop importante. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas assez. Je veux que tout soit nettoyé. Et ne me regardez pas. Son esprit a été fragilisé par l'influence des auras combinées de ses nouveaux camarades. Il a ensuite suffi d'un petit sort de rien du tout. Et voilà. Autant dire que personne ne s'y attendait. Nous pouvons maintenant empêcher que cela ne se reproduise. Mais pour lui, il est trop tard. Ok, suivant. Et combien ce con, hein? Qui es-tu? Nadjer Skal. Voici Nadjer Skal. Skal, peu importe. Il fut un barde de grande renommée, mais il n'est plus guère qu'un enfant. Un enfant? Ses dernières recherches portaient sur l'origine des univers et sur ce qui se dissimule derrière les dieux. Il fut puni pour son audace par ce qu'il a effleuré. Vraiment? Oh, flippant. J'en avais de bien belles, empilées jusqu'aux cieux. Impossible de me souvenir où je les ai mises cependant, mais toutes douces. Les jolies choses. Il est toujours aussi bon magicien, à ceci près qu'il ne se contrôle plus, ce qui présente certains risques, vous en conviendrez. Ouais, sûr. Waouh, il a été réduit à l'état de débilité mentale. Avec ses... Ah, c'est de chercher là, d'où venaient les dieux. Une pensionnaire dotée d'une vision surnaturelle. Elle a voyagé dans tous les plans connus, sans doute quelques autres. Tous ? Pour son malheur, elle distingue maintenant les habitants de ses autres royaumes. Inutile de préciser qu'elle ne se sent jamais vraiment seule. Oh putain ! C'est le bordel ! Imaginez voir tout le monde près de vous, genre ceux qui sont morts, vous voyez qu'ils sont dans les stands ici. C'est quelqu'un comme ça que vous pouvez voir les Allemands en France, les Chinois en France, bon, il y en a déjà, mais peu importe. Mais tout le monde sur un même endroit, ça doit être surpeuplé. Tout autour, derrière, au-dessus, partout. Ouais. Mais à quoi bon fermer les yeux quand on peut voir à travers les plans? Son cas est vraiment passionnant, à plus d'un titre, vous vous en doutez. Oh putain, la merde! Ça pue! Ça pue comme truc! Voici Tiax. Encore une énigme pour nous. Il errait au bord de quelques routes. Alors on nous l'a amené. Ok. Tiax règne en maître! Vous n'êtes que la grâce qui oint les rouages de son pouvoir! Étouffez le grincement de ceux qui s'opposent à lui! Il règne en maître! Manifestement dangereux. Ouais. Ça va, ça. L'occupant de cette cellule est un vieux mage elfe, très puissant, mais résolument asocial. Il s'appelle Dradil. Méchant chien, sale bête. Vous n'êtes que des loups-garous. Arrière, arrière, je vous dis. Il a dû subir un profond traumatisme par le passé. L'étendue de ses pouvoirs nous interdit de le laisser en liberté. Putain! Même l'autre, il est considéré comme très dangereux, mais il peut être en liberté! Alors c'est quoi ça, du coup? Elle a une peau de pierre sur lui, déjà. Et voici enfin celle que vous cherchez. Elle se porte plutôt bien, étant donné les circonstances. Que lui as-tu fait? Que s'est passé quoi? Elle ne paraît pas en état de communiquer pour l'instant. Elle n'a que de trop rares accès de conscience. Vous arrivez à point nommé.
Je te tuerai pour ce que t'as fait, Irenicus. Je vois que tu ne comprends pas. Il est heureux pour moi que tu arrives maintenant. J'en ai fini avec elle pour le moment. Et je vais pouvoir m'occuper de toi. Amène-toi, je suis prêt. Je savais que tu la rechercherais et je t'ai tracé un petit parcours d'obstacles qui m'a permis d'évaluer ton potentiel. Quel parcours? T'as rien foutu. C'est absurde. C'est Renekus, connard. Oui, j'ai vu ça. Oh, t'as fait un combat, Body, hein? Tu es Sirenicus. C'est prévisible, hein, forcément. Qu'est-ce que ton narration? Simon, cet enfoiré. Elle pourchassait après t'avoir buté. Tu n'as plus aucun pouvoir. Pourquoi j'ai des pouvoirs quand j'ai eu une grosse lame qui t'enchantait? Pas de combat. On verra. Non, le sommeil! Le sommeil me trouble. Mais qu'est-ce que... Eh bien, il semblerait que mon visiteur soit réveillé. Ainsi que je l'avais prévu. Ils m'ont laissé mes armes. Je crus de posséder un très grand avantage sur toi. J'ai prévu ta venue depuis le commencement. Il ne pouvait en être autrement. Bah ouais, c'est scripté. Pas le choix. Un soupçon de trahison de Simon et une pointe de composant de sort dans ta soupe. L'indétectable appât au bout de ma ligne que tu as mordu avec tant d'entrain. J'avais faim? Mais ne t'inquiète pas. Tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit désormais. Tu mourras d'ici peu. C'est là-bas, Emoen, on la voit. Qu'est-ce que tu fais, gros sac? Pas le savoir. T'as crevé. T'es pas censé me dire ce qui va m'arriver, non? Donc sur ça les méchants. La rage qui m'habite. J'ai beaucoup souffert. J'ai même survécu. Je suis plus fort. Et je sais quoi. Ah, c'est que je suis un enfant. Elle a intégré aussi. Il a dépouillé de ton essence, c'est ça. Ça en serait aussi une, c'est impossible. Aucun symptôme. Ok, j'ai pas peur, moi je m'en fous. C'en est une, hein. D'accord. Sa naïveté l'a protégée. D'où la raison pourquoi t'avais montré toutes ces choses dégueulasses à Emoen. Quand ils ont dépecé Khalid, tous les trucs qu'ils lui ont montré de dégueulasse, c'est pour réveiller son côté obscur. Ce serait fait Dark Vador. Elle ne t'aiderait pas. Prendra mon essence. Vraiment. Cruel et rapide, et douloureux pour autant. Parti pour un tour dans le royaume du tourment. Ne combats pas. Combattre, c'est mourir. Viens à moi. Trouve-moi. Je peux tout affronter. Edwin, ta contingence, gros sac. Sur mon honneur. Pourquoi? Oui. À l'intérieur, il y a un diamant ici. Mène au cœur, au tréfonds de mon âme. C'est un sacrifice pour trouver la solution.
Je dois abandonner une de mes stats pour pénétrer. Agilité, non. Sagesse, peu importe. Intelligence. Je me battrai contre toi. Pas donne rien, j'en demande trop. Va chier, je vais aller voir ailleurs. Nous sommes sur les ruines de Château Suif. What the? C'est Baal? Mais qu'est-ce que... Va chier, Baal! Ça ressemble plus à Savrok qu'autre chose. Maintenant. Non, pas maintenant. Bon, amène-toi, Baal. À genoux. Tu ne peux faire autrement. Je suis ton essence. Attrapez-moi si vous pouvez. Je cherche quoi ici? Ta vie, ton âme, ton corps, je suis ton sang. Ok. Quelle regrettable erreur. Alors bouffe! Que penses-tu de ce sang? Paston, hein? Putain, des légions de merde! T'as pas crevé, enfoiré, hein? T'as pas crevé, ce gros con, là. Faut fuir. Je ne peux pas le combattre seul. C'est ça qu'elle m'a dit, Moraine. Malheureusement, elle va devoir sacrifier quelque chose. Sacrifions ma sagesse. Me suit, c'est ça? Perte d'un point de sagesse. Ouais, ça fait un peu chier, mais bon. Bon, allons voir Emoen. Parce qu'apparemment, votre gros sac est immortel. Très bien. Je peux pas tuer personne qui est moi. Emoen? T'es là. J'ai eu peur, j'ai dit que c'était encore un moi qui voulait me buter. Attends. Nous pouvons vaincre. Qu'est-ce que tu fais? Comment on nous entend d'ici? Chut. Avant les ténèbres, retrouve-moi. Je sais ce qui se passera. Seul, tu ne peux vaincre. Ok. Nous combattrons ensemble. Seul, tu tomberas. Ensemble, nous serons plus forts. Amène la créature ici. Oh. Amène-la. Ensemble, nous la vaincrons. Ensemble. Il ne nous en croit pas capable. Mais je sais comment. Amène-la ici. Notre seule chance. Ma dernière chance. Ok. Allons attirer l'avatar de Baal dans ce lieu confit et reculé. À l'abri des regards, nos quatre yeux pourront défaire ce démon. Heureusement que je bouge vite. Où était parti, gros sac? Juste avoir un message, Baal attaque-moi. Ta longue, ta route a été longue, hein. T'es déjà agonisant, enfoiré. Bouffe l'horloque. Ah, gratuit ça. Oh l'enculé, la portée de fou. Envoyez ça, c'est une lance qu'il a, c'est même pas une épée. Bien, Emoen, nous sommes deux maintenant. Maintenant, je la vois. Je vais me joindre à toi. Je vais te montrer comment vaincre. Oui, montre. Je suis ton essence, ton instinct. Tu ne peux me rejeter. Tu ne peux combattre ton âme, ton sang. Comment oses-tu te résister? Je peux. Je sens ton âme. Tu résistes,
Tu n'es pas un mortel comme les autres. Mais tu ne peux plus me vaincre. Tu t'es vidé. Rien ne te reste, sauf ton instinct. L'instinct est puissant. Non. Quelque chose m'échappe. Quoi? Je... C'est facile. Eh bien, tu es effectivement très puissant. Tu résistes au-delà du raisonnable. Quel dommage que tu sois déjà mort à l'intérieur. Quoi? Je suis mort? Si tu meurs là, je serai indulgent. J'ai tout vaincu, ce sera le prochain. Je t'ai purgé de ce qui te rendait si particulier. Vraiment ? C'est là la pire des malédictions, croisant mon expérience. Je te combattrai H24. Bien sûr, tu le ferais, mais... Je me suis approprié de l'essence divine. J'ai... J'ai plus d'âme. Odie et moi, venons de te transmettre la malédiction qui nous frappait. Inutile de me remercier, je l'ai fait de quoi? Tu finiras par nous implorer de te laisser mourir. Malédiction? Odie, débarrasse-nous de ce concentré de néant, ainsi que de la petite peste. Nous n'avons plus besoin d'eux. Notre plan ne souffrira plus aucun contre nous désormais. Comme vous voudrez, mon frère. Bien frère, entendu. Fais vite. J'avais tiré nos alliés des ténèbres de notre venue. Nous préparerons ici même. Je te dis bonne chance, enfant de Baal. Tu en auras besoin. Il faut que je me tire, cette prison en verre. What the... Et c'est ainsi que s'achève votre vie. Quel dommage. Vous vous êtes avéré bien plus malléable que prévu. C'est là quelque chose qui me plaît. Tu veux me tuer d'ici? C'est haut, mais... assez émouvant. Vous me laissez vivre? Lors de ma mort? Ok. Divertissante, hein? Banni? De quoi? D'où? Un défaut. Mort glorieuse. Je ne serai pas une distraction. Pas de choix. Bon bah t'es d'accord si tu le dis. Un défi, hein. Ok. Le sombre de l'asile. Une épreuve pour ce prisonnier. Imaginé par un dictateur qui me disséquait les esprits. Labyrinthe, sortie. Un peu d'avance. Du temps. Ramasser mon gant pour trouver la mort ou la liberté. Chauve-souris, hein. Que voulez-vous? Ce sera fait. Moen est là. Oui, bien sûr. On était presque. C'est quoi? T'es inquiète, c'est sûr. T'as blessé? T'as touché? Hein? Non, plus qu'à moi. Non, non, pas de jeu. Ce que tu es. Tu es un monstre comme moi. Mais t'es mignonne. J'ai pris ton âme aussi, mais tu as survécu. Alors on continuera sans âme. C'est pas si terrible. Ouais, forcément, c'était moche, hein, mais. Tente de la mort. Tu es humaine maintenant aussi, tu es donc libre. Non, tu es maudite, je crois aussi, il m'a dit. L'obscurité.
Je contrôle mieux. Je pense à rien du tout. Je dois attendre de parler de ça. D'abord, sortons d'ici. Elle me dit une ou pas. Ouais. Mourir? Allons, allons. Malheureusement, je veux pas ça dans mon groupe. Je ne veux pas, dit Moen. Toi, va mourir. Moi, je vais passer vers Anigus. Adieu. Il y a un problème. Il n'y a plus de passeport, toi. Non, 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 reste, Edwin, j'ai besoin de toi. Ok. Il y a une auberge là-bas, couronne de cuivre. Très bien. Ouais, nous sommes frères maintenant. Frères de maléfice. Nous sommes donc dans... rien en fait. L'asile? Ouais, nous sommes à l'asile, on va dire. Faisons une sauvegarde et essayons de trouver la sortie de ce labyrinthe. Voilà, oh, on peut le looter ici. Si on peut looter, c'est good. Piège? Que voulez-vous? Non. Ce sera... Oui. Oh. Mal en point. Est-ce que là mon sang bouillonne? L'impression. Wow, vraiment. Je vois, tout ça vient. C'est pas vraiment ça, mais bon. Oh merde! Ombre des roches. Échec! Faut pas! Les ombres des roches, je dois être invisible. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Voilà! Oh putain! On a 5! 5 et un Minotaur. Minotaur, je ne pas la couille, Minotaur. Par contre. Minsk ou Minsk passe le mal. Dépêche, je reprends le vaisseau. Il va falloir que je. Oh, vous savez quoi? Je vais piéger cet endroit. Oui, je suis pas sourd. J'ai. Oh, ça, je peux le faire. On va piéger 4 ombres à la con. Je ferai de mon mieux. Yann Yansen, pour vous servir. On va poser plein, je m'en sers rarement. J'ai compris. Pour une fois, je n'ai plus coûté ça. Oui. On va encore en poser un, je pense, ça devrait le faire. Ça y est. Et je vais lancer une boule de feu pour animer les esprits. Oh, je pourrais même lancer un piège à crâne. Lance un piège à crâne. Ici. Une boule de feu. Ils arrivent, ils prennent le piège à crâne. Les pièges avec les flèches. Et ça marche bien, non? Je pense que oui. Ok, descendons. Ok. Légèrement. Ça va le faire. Lancer la confusion. Dernier, combien là? On est quoi? 1. 2. Minotaur est mort. Ça, ouais. On fourrait d'ombre des roches. Gravement, gravement et légèrement. Je suis KO,
mais ça va quand même pas mettre de flinguer ces gars. Mais c'est pas le cas. Parfait. Laissons nous tirer. Donc mon gars essaie de flinguer tout le monde. J'aurais pu lancer un drap chaotique pour éviter que ça arrive. Mais les chances qu'il puisse buter sont relativement minces. Donc de toute manière, pourquoi pas. Ok, c'est décidé, j'en ai marre. Je vais utiliser mon restitution pour rendre ça à Corgan. Un niveau est relativement important. Je suis où moi? Bloqué dans un coin, parfait. Je peux piller un peu. Je peux parler avec ce monsieur. Le bâtisseur peut passer, hein? Sa main seule ouvrira le chemin une fois que ce pouvoir sera recentré. Comment je peux... je sais pas, on verra. Piégé, non? Quoi? Non, pas je piégé. Pour un aveugle. Oh. Ok, le pouvoir et... Que dalle. Ici est quoi? Oh, j'aime pas. Boule de feu à retardement. Vous lancez une boule de feu, elle la stationne sur place et elle explose après. C'est puissant, c'est vrai. C'est utile si vous voulez poser des pièges. Mais en termes de pouvoir, un niveau 7 comparé à un niveau 3, c'est dur de faire la bonne chose. Ceci est donc projection de l'image, niveau 7. Bon. Que voulez-vous? Certes, je me dresse pour la justice. Plusieurs chemins encore. Oh non, y'a quoi ici? On peut se barrer? Non. Sortie. Qu'est-ce qu'il y a à ce jeu-là? Oui, ce sera fait. Quoique, c'est risqué. Je crois que si on sort de la zone, on peut plus y retourner. Mais comme ce soit possible, c'est là. Non. Oui, je suis pas sûr. Puis j'ai les solos, je pense pas. Hein. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non, mais c'est même peut-être dehors. Et dehors, si c'est le cas, j'ai éventuellement l'endroit où je peux aller. Non, c'est pas là où je pensais. On ira plus tard. Je vois un peu où ça mène. Que voulez-vous? Je suis elle, bien sûr. Yann Yansen, pour votre tien. Et ça me rappelle une histoire. Donc c'est intéressant. Juste. Oui, je ferai de mon mieux. Deux portes. Une seule qui est là. Blah. Oui, oui. C'est une tactique bien connue. Je suis indiscret. Piège. Quelle est ma tâche? Oui. Non. Pas de piège. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Oh, ceci est une énigme. Énigme relativement chiante. Vous voyez, c'est marqué. La nuit, j'apparais sans que personne ne puisse m'atteindre. Le jour, je disparais. Sans que personne ne m'ait atteint. Ça peut être quoi? Je suis différentes choses. Indiscrets. Dans ce coffre, vous avez un paquet d'objets. Ça peut être médaillon des étoiles, bandeau d'or, bref, différents objets. Soleil, épée, un crâne grimaçant. Différents objets qui doivent se mettre dans un ordre précis dans ces alcoves. Certains sont plutôt évidents, comme par exemple celui-ci, c'est quoi? Mais j'apparais, ça ne puisse m'atteindre. Aujourd'hui, disparaît, ce que personne ne m'ait atteint. Ça peut être quoi? Étoiles? Les étoiles apparaissent la nuit, et au matin, elles disparaissent sans que personne ne puisse m'atteindre. L'étoile pourrait fonctionner. Qu'est-ce que c'est? Sans début ni fin, sur l'origine de l'humanité. Je présente le cycle de la vie. Sans début et ni fin. Une de l'humanité. Soleil. Cadran solaire. L'homme bâillonné. Un miroir. Au sablier, le temps. Ça peut être le temps. Bottes usées. Sans début ni fin. Je suis à l'origine de l'humanité. Les cycles de la vie. C'est pas le temps. C'est à quoi? On va essayer vite fait. Il me fallait quoi? Étoile et sablier. Étoile, sablier. C'est quoi? Nous sommes inséparables, nous portons de lourdes charges. Personne ne nous considère et pour autant tout le monde a besoin de nous. Vivre vide, nous reposons. Pleine, nous travaillons.
inséparables, donc c'est deux déjà, de lourdes charges. Besoin de nous. De lourdes charges. Reposer. Qu'est-ce qui est de pair ici? Les bottes? C'est ça? De lourdes charges. Porte les humains. Je suis la vie. Rien n'est possible sans moi. Prenez garde à ce que je ne vous submerge. La jarre de flotte, imagine. Ce mot-clé a l'air assez parlant. Soit depuis la nuit des temps, je suis dressé des montagnes et tombé Netheril. Soit toujours là, bien après vous. Je suis là depuis la nuit des temps. Des montagnes tombées, je serai toujours là, bien après vous. Toujours là. Soleil. Un crâne grimaçant. Le soleil, il m'a l'air correct. Ah bref, pas sûr que ce soit bon, ça doit être un peu logique. Je suis l'espoir pour ceux qui se sont enfermés. Je suis enfer pour ceux qui m'approchent. Quoique, je suis espoir pour ceux qui sont enfermés. Je suis enfer pour ceux qui m'approchent. Le soleil, du coup. Ça m'a l'air mieux. Donc celui-ci. Je suis là depuis la nuit des temps. C'est des montagnes et tombées des terrils. Toujours là. Il me reste quoi? Je pense que ceci pourrait être le temps, finalement. Sans début ni fin, c'est la lune de l'humanité. Les cycles de la vie. C'est pas un cadran solaire plutôt, du coup, ça. Oh là là. Ça m'a l'air un peu mieux. Ouais, peut-être. Je sauverai sans doute votre vie. Mais sans doute par moi, vous périrez. L'épée ? L'épée sauve la vie si je me défends. Mais si je crève, c'est un mec qui l'a armé. Prononcez mon nom et vous me briserez. Le miroir, peut-être ? Dites toujours la vérité, pourtant ne parle pas. Regardez-moi pour apprendre à vous connaître. Dites toujours la vérité, je ne parle pas. L'homme bâillonné ou le crâne grimaçant? C'est quoi celui-ci? J'ai deux têtes et un seul corps. Laissez-moi en paix et je courrai plus vite. Deux têtes et un seul corps. Essayez toujours de me vaincre, vous ne le pourrez. Quand mon heure vient, vos souffrances s'arrêtent. Peut-être le crâne? Toujours la vérité? Ou alors, c'est peut-être la mayonnaise, je pense. Et deux têtes, par rapport à un anneau. Un anneau, faut mettre les deux têtes ensemble pour créer l'anneau. Et un seul corps, ça m'a l'air d'être ça, si je prends ça comme contexte. Est-ce bon? Non, il fait une faute quelque part. Mais je ferai ça hors screen, je dois pas avoir. Je vais être planté sur différentes choses. Je vais donc essayer différentes combinaisons entre un ou deux trucs. Donc c'est chiant à vous montrer. Oui, je suis sûr. Rien ici. Donc j'aime bien ces énigmes là. C'est toujours bien pensé, bien ficelé. Mais il y a quand même différentes choses que j'hésite entre un ou deux trucs. Les chaussures ont l'air bonnes, mais pourraient être remplacées éventuellement avec les anneaux que lourdes charges. Non, c'est bien les bottes. Donc ouais, différentes petites bricoles. Ok, il y a une zone par ici. Une zone par là. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Quel est ma tour que ce sera fait? Piège peut-être? Non. Ouh, y'a quoi? Aérien, gazeux, glacé, flamboyant. Et un rachaka. Puis-je passer tranquillement? Pas vraiment. Y'a un portail aussi. Je m'en backstab le rachaka. Et je n'ai pas de boule de feu, je crois. Hein.
Non, mais j'ai un nuage à la con que je peux envoyer dans ce spot. Sur mon honneur. J'ai raté mon truc. Et on va se tirer d'ici. Et maintenant c'est un nuage enculé aussi. Ok. Bon. Nuage. Ça va. Bon. Au moins. Non, c'est bon. Personne ne prend de dégâts. Mais fuite. C'est vrai que les nuages n'affectent pas les méfites. Est-ce parce qu'ils flottent? Non, ce n'est pas un truc par terre. C'est un nuage, ça flotte aussi. Donc, ils doivent être hors où ils sont tous morts. C'est la raison aussi. Attendons que ça se dispelle et on va pouvoir passer la gueule à diverses créatures. J'ai utilisé un chaotique et un de ça. J'ai utilisé souvenir apaisant. Ce skill est plutôt utile en donjon. Il permet de récupérer deux pouvoirs utilisés avant, de niveau 5 ou inférieur. J'ai récupéré un chaotique et quoi d'autre aussi. J'ai récupéré ça et il y a un autre. Oh, bah c'est cool. Ma institution. Au cas où j'ai besoin pour redonner quelque chose encore à quelqu'un qui s'est fait vampiriser. Non. Bien sûr. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. J'ai raté mon backstab, mais vite aérien. Il n'y a rien à résister. Yep, c'est fait. Épée à la con. Et un aérien. Nous avons aussi un portail dans le coin. Et me lance un cône de glace. Heureusement, ils sont tout pourris, donc ça va. Je suis à l'abri, que voulez-vous? Oui, je ferai de mon mieux. Ceux-ci sont aussi des énigmes. Elles sont juste différentes en fait. Quelle est ma tâche? Sur mon honneur. On va essayer de finir. Explorer ce... Oh shit. Je suis à l'abri. D'explorer ce lieu. Et leur casser la gueule. Il y a un mage, Yanti. Le mage est toujours très chiant. Et backstab ça, malheureusement impossible pour l'instant. Je pourrais en revanche. Pour vous servir. J'ai tendu un piège pour y prendre les imprudents. Ça y est. Bien. Il va se buffer directement avec une peau de pierre pour s'immuniser en backstab. Donc ça fait chier. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Pour autant, j'aimerais. J'étais une Moonblade autrefois. Une cuillère plus 4, en doute. Trouver un moyen de les buter. Squelette pourrait servir. Silence pourrait servir également. Et je peux préparer un chaos à l'avance. Chaos pourrait foutre le bordel dans leur team et pourrait se focus entre eux. On va faire ça. On va tenter de lancer un silence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Très bien. Et je vais lancer KO. Vocaliser. Poussez pas trop loin, il faut que je vive ainsi, votre vie sera aussi pénible que la mienne. Ok, c'est invisible. Vocaliser, en fait, si vous vous rappelez pas, retire le silence. Donc, là, c'est bien joué. C'est juste que moi, ça fait chier. Question de brèche. Tu es backstab, je pourrais pas backstab. Recule, Jeanne, tu vas voir que t'as aucune chance. Il en a renvoyé un. Tant pis, on va. J'en ai plus. Je n'ai plus de ça, moi. Plus de brèche. Jeanne en a, je crois. On a deux. Pour l'instant, Naga vont quand même leur péter la gueule. Parce que. Essayons de le stun. Ouais, joli crit, bravo Edwin. Bonk. Ce
vraiment. Trouve le piège. Ce mur est flippant. Ok, portail qui est ici. Une zone qui est là. On a quasiment fait le tour déjà, de ce coin. Je me souviens d'une chose. Je crois que ces murs se compressent. Donc si vous avancez, vous vous ferez tuer. Et comme l'IA de ce jeu est particulièrement conne, ça devient difficile de désamorcer un piège sans que tout se passe bien. Vu que votre gars de désamorcer au milieu du piège, il se le prend et il crève. Mais, estimons-nous heureux, nous avons la chance d'avoir une baguette pour amener à la vie. Donc, corrigeons les erreurs de Dieu et on va pouvoir faire ça correctement. Espérons que ce piège est maintenant désactivé, ce qui n'est pas chose évidente, possible. Il semblerait que oui, ce piège maintenant est désamorcé. Super! Il ne me causait qu'une mort, c'est vraiment stupide, mais bon, ce n'est pas un, je veux dire. On fait ce qu'on peut, on se dit, tiens, on désamorce, on l'a vu le piège. Eh oui, mais... ouais, faut parfois miser sur l'IA pourri. Et ça, je vous l'ai dit une fois, et maintenant ça arrive, donc tant mieux. On dira pas que j'ai dit des choses qui n'ont aucun sens. C'est chiant, mais dans l'inventaire. Voilà. Mais qu'est-ce que... Bon, maintenant faut voir ce qu'il y a à l'autre côté. Ouais. Bah non. J'aimerais le faire, bien sûr, pour éviter. Mais ce con va le faire à ce niveau-là, je pense. Et donc il va mourir encore une fois. Donc c'est bien que j'aime ce jeu. Cette chose est chiante, donc ouais. Puisque nous sommes dans le coin, de toute façon, on peut aller par ici. C'est juste que c'est un gain de temps. Et le temps, c'est en train de gagner du temps et se faire poutrer la gueule pour rien. Et une différence que j'ai pas envie de prendre. Bien, faisons ceci, ça va être amusant. Bien. L'antre du mal. Quel plan. Mettre sa main dans sa bouche. Ouais. Nous ne laisserons rien intact. Énigmes, des énigmes en pagaille. Si vous voulez, écrivez-les. Elles sont plutôt bonnes. Ouvrez un visage et répondez à la question. Votre réponse vous guidera à la sortie. La souffrance et le prix de l'échec. Si on échoue, on se fait brûler la gueule, je crois. Plus cher que ce dont je suis constitué, la malheureuse de mon être est cachée. Je suis le fléau du marin, une dent de la mer. Qui suis-je? Voilà. Plus léger que ce dont je suis constitué. Plus léger, hein. La majeure partie de mon corps est cachée. Je suis le fléau du marin. Alors si on dit fléau du marin dans de la mer, c'est un requin. Non. Iceberg, peut-être? Le rivage? Non. Iceberg, ça me semble bien. C'est plus léger que ce que je suis constitué. De la glace? La majeure partie de mon être est cachée. La face cachée de l'iceberg. Le flot des marins, dent de la mer. Ça m'a l'air ça, iceberg. Est-ce bon? C'est exact. Je suis libre. Ok, suivant. Si vous voulez affaire, l'univers est résolu. Le visage reste silencieux. Si vous accomplissez ceci, vous avez l'expérience, je crois. Et ceci, vous avez un trésor. Enfin, un ou deux trucs. Mais dans l'eau, je sais que vous avez un casque qui est pour mage. Vous savez, cette fameuse pierre ionique. Donc, je ne sais plus de quoi il s'agit. Donc, le ferai. Bien, on va voir. Nous verrons un visage à la question. La bonne réponse, oui, vous savez. Je danse une guige spirituelle. Je ne sais pas c'est quoi, mais... bannissant tout, sauf les pénombres de la nuit. Donnez-moi à manger, je vivrai. Donnez-moi à boire et je mourrai. Qui suis-je? Je suis une gigue, j'imagine. Une gigue spirituelle, bannissant tout, sauf la pénombre dans la nuit. On a quoi? Un idiot, l'air, le blé, le désert, les dieux, la terre, des rimes,
et le feu. Pour l'instant, de base, je dirais le feu. Si on donne on nourrit le feu, c'est pas manger, c'est manger spirituellement. Donc ça, je pense, si on nourrit le feu, il vit. Si on lui donne à boire, il meurt. C'est le feu. Je pense que guide spirituel, c'est pour dire dans un élan de spiritualité. C'est pas genre au sens littéral. Donc le feu, ça a l'air correct là-dessus. Ouais. Troisième. Peu importe l'ordre, hein, bien sûr. L'homme qui m'inventa m'a inventé pour les autres. L'homme qui m'acheta ne m'a pas acheté pour lui. L'homme qui a besoin de moi ne me connaît pas au moment où je lui serai utile. Qui suis-je? On a quoi? Et Dieu, un sanctuaire, la bonne volonté, cercueil, nourriture, une femme, le feu ou un char? L'homme qui m'inventa m'a inventé pour les autres. On n'a pas inventé le feu. Cercueil peut-être? Inventé pour les autres. L'homme qui m'acheta ne m'a pas acheté pour lui. On ne peut pas acheter un cercueil pour soi-même. Qu'un d'autre qui doit l'acheter. L'homme qui a besoin de moi ne me connaît pas au moment où je serai le plus utile. C'est un cercueil. Ça a l'air bon. Cercueil. C'est exact. Hey, on est bon, hein. On est bon. On va voir. Ma vie ne dure que quelques heures, tout au plus. Je ne vis que pour être consommé. Je suis plus rapide si je suis mince. Plus lent si je suis épais. Le vent l'ému du présent que je vous offre. Qui suis-je? Bougie, volute, nuage, enfant, bonne inspiration, le temps, un discours ou l'aube. Ma vie dure quelques heures, tout au plus. Je penserai à une bougie. Je ne vis que pour être consommé. La bougie, c'est plus rapide si je suis mince, plus lent si je suis épais. Plus rapide si je suis mince. Si la bougie est plus mince, elle se consomme plus vite. Si elle est plus grosse, elle a plus de temps. Le vent est la lumière du présent que je vous offre la lumière, la bougie. Bien pensé, mais c'est simple pour l'instant. Voyons voir. Plus il y en a, moins vous en voyez. Lorsque je vous enveloppe, regroupez tous vos vœux. Qui suis-je? Plus il y en a, moins vous en voyez. On a quoi? L'espoir, l'obscurité, le souffle, le feu, la boisson, la béatitude, le soleil ou les dieux? Plus il y en a, moins vous en voyez. Lorsque je vous enveloppe, regroupez tous vos vœux. L'espoir? Oh, difficile celui-là. Je pense soit au soleil, soit à l'espoir. Plus il y en a, moins vous en voyez. Mais c'est pas spirituel aussi. Si on regarde au soleil, plus on en voit, et plus on est aveuglé. Donc, moins on en voit. Lorsque l'on se fait envelopper par le soleil, regrouper tous nos voeux. Est-ce qu'il ne faut pas louer le soleil? Je vous enveloppe, ou tous vos voeux. L'un ou l'autre, l'espoir. Plus il y a d'espoir, moins on en voit. Je pourrais me planter sur celui-ci. Ça serait curieux de savoir ce que vous en pensez. Je suis quand même ce soir tout seul, donc c'est pas pratique. Mais... l'espoir, allez. Ce n'est pas ça. C'est une plaisanterie. J'ai juste pris une flèche de feu. Soleil? C'est pas ça non plus. C'est alors. Je ne sais pas ce que c'est que la bêtitude. C'est pas ça de sang. C'est-il difficile? Plus il y en a, moins vous en voyez. Les dieux? Non. Vous pouvez tous vos voeux. Ou alors, plus il y en a, moins vous en voyez. L'obscurité. Lorsqu'on s'est enveloppé par les ténèbres, regroupez tous vos voeux. Parce qu'on a peur du noir.
Sécurité. Ça doit être pour ça. Ah, celui-ci. Pas facile du tout. Nima t'es résolu. Voyons voir. Ceci était vraiment pas flagrant, de mon point de vue, si vous avez trouvé du premier coup, parce que avec cette déduction, bien joué. Nous venons observer la nuit sans y avoir été conviés. Nous sommes le guide d'un marin et les larmes d'un poète. Sans la main d'un voleur, nous ne pouvons apercevoir le jour. Qui sommes-nous? Nous venons observer la nuit sans y avoir été conviés. Nous sommes le guide d'un marin et les larmes d'un poète. Nous avons quoi? Les yeux? Des parents en deuil, des colombes, des étoiles, la famille, les dieux, bonne intention ou des amants. D'un point de vue rapide, j'ai aucune indication pour l'instant. Observer la nuit sans y avoir été convié. Des étoiles. Nous sommes le guide d'un marin, les larmes d'un poète. Ouais. Des étoiles pour se guider dans la mer, les larmes d'un poète. Sont comme des étoiles, je pense. Vu que les larmes sont considérées comme un poète d'étoiles, on va embellir la chose. Nous ne pouvons apercevoir le jour. Qui sommes-nous? Des étoiles. Bien joué. Oui, il y en a d'autres aussi. Pas que cela. Je peux être incolore, bien que je puisse renfermer un peu d'obscurité. Je ne pèse rien, je ne contiens rien. Si je ne passe dans un récipient, ce dernier s'illumine. Qui suis-je? Je pense à une luciole, mais il n'y a pas. Je peux être incolore, bien que je puisse renfermer un peu d'obscurité. Nous avons quoi? L'air, la foi, la fraternité, une corde, un trou. Oh, un trou peut-être. L'amour, l'eau et la poésie. Je peux être incolore, un trou, bien que je puisse renfermer un peu d'obscurité. Ouais. Je ne pèse rien, je ne contiens rien, et si on me place dans un récipient, le dernier s'illumine. Ah non, c'est pas un trou. Oh, pas évident celui-là. Si on me place dans un récipient, ce dernier s'illumine. Oh, je pense au trou, je sais pas pourquoi. Après, c'est le sens littéraire, pas de base. Parce que tout ce qui peut être incolore, un peu tout, et tout ce qui est ici, ne peut pas être placé dans un récipient, à part l'eau. Ce dernier s'illumine, je pense à un trou. C'est exact, oh putain. C'est pas trop évident quand même celui-ci, j'avoue. De tous vos biens, c'est le plus difficile à garder. Si vous me possédez, désirez me partager. Si vous me partagez, vous ne posséderez plus. Qui suis-je? Je pense à un secret, directement. Le plus difficile à garder. Haine, musique, air, dieu, eau. Secret. Si vous me possédez, vous désirez le partager. Un secret. Partagez, vous ne posterez plus. Secret. Ça va. Plus que quelques-uns. 4, je crois. Ne vous faire un visage à répondre à la question. Bonne réponse, vous irez vers la sortie. Oui, hop. Aussi vivant que vous, mais dépourvu de souffle. Aussi froid, vivant que mort, je ne connais pas la soif, mais que je bois en permanence. Je suis vêtu de mailles et je ne fais aucun bruit. Qui suis-je? Spectre, poisson, richesse, poésie, eau, voile, peste ou l'hiver. Aussi vivant que vous, mais dépourvu de souffle. Dépourvu de souffle. Ok, j'ai déjà plusieurs trucs possibles. Aussi froid, vivant que mort. En attendant, je vois le spectre, peut-être, en termes de trucs vivants. Je ne connais pas la soif, bien que je bois en permanence. Là, c'est troublant.
boire en permanence. L'hiver pourra correspondre. Voile également. Non. Et l'eau, non. Je suis vêtu de mailles. Je ne fais aucun bruit. Qui suis-je? Ou la richesse? Vêtu de mailles. La richesse. Vivant. Aussi froid, vivant que mort. En richesse, peut-être. C'est le vêtu de maille qui m'a mis sur la richesse. Je ne fais aucun bruit. Non. C'est des voiles, je pense. La maille, c'est pas maille, genre le matériau. Je pense que c'est des voiles. Ce n'est pas ça. Le son de prendre l'autre que j'avais pensé. C'est la richesse. Pas ça non plus. L'autre était l'hiver. Ce n'est pas ça. Ok, donc sur mes trois choix, je n'ai pas trouvé la seule bonne réponse. Il ne reste plus grand chose. Mais le caisse. Dépourvu de souffle. Quoi, poisson? Nous dit que c'était beaucoup trop évident. Je respire pas, j'ai pas de souffle. Oh oui, on se contrepartit, ça respire, si froid, vivant que mort. Ouais, ça m'a un peu sauté aux yeux, mais j'y croyais pas du tout. Je veux quelque chose de bien plus profond que ça. Ouais, ma faute. Il y en a deux pour l'instant, j'ai galéré, hein. Enfin, j'ai galéré parce que je suis nul, mais vous êtes trouvé. Je vous ai été donné une seule fois, pour toute votre naissance. Non, je peux être repris à tout moment de votre vie. Je ne pèse rien. Sans me porter, je serai bien trop lourd. Où suis-je? Épée, ciel, bonne volonté, eau, souffle, main, langage, l'esprit. Je t'ai donné une seule fois, pour toutes, à votre naissance. Un souffle, ou l'esprit, ou le langage. Cependant, je peux être repris à tout moment de votre vie. L'esprit, le souffle, langage, je ne pèse rien, surtout de me porter, serait bien trop lourd, qui suis-je? L'esprit? L'esprit ou le souffle? Ou le ciel? Non. Je pense que c'est l'esprit. L'esprit ou le langage? Mettre l'esprit. Maintenant qu'il ne considère pas le cerveau comme l'esprit. On peut porter un cerveau, c'est pas si lourd. L'esprit? C'est pas ça, putain! Le langage. C'est pas ça non plus! Putain, il doit être tard, je commence à être nul. Un souffle? C'est exact. Ouais, c'était mon troisième choix. Enfin, 5 sur 8, c'est quand même relativement copieux de se dire « J'ai réussi ! Oh, mon troisième choix !» Mais... ma priorité, je voyais pas celui-ci. Oui ! Oui, on l'a fait ! Ah, voilà, je suis constitué de trous. L'intérieur est plutôt creux que plein. Je retiens de l'eau. Qui suis-je ? Un puits, une éponge, le creux de main, un verre, l'océan, le ciel d'alarme, un ruisseau. Je suis constitué de trous. Une éponge, l'intérieur est plutôt creux que plein. Une éponge, je retiens l'eau. Je vois l'éponge, moi, de base. Une éponge, c'est exact, ouais, bon. C'est simple, celle-ci. Il n'y en a pas un qui était sur un côté, je crois qu'il y en a un qui était difficile d'accès. Dans mes souvenirs, non? Allez, on le tue, celui-là. On va te tuer, c'est de la pierre. Nous poursuivons et menons la route uniquement lorsque nous vous passez devant nous. Habillez-vous de noir et nous serons encore plus noirs. Nous fuyons la lumière. L'ombre, non? Il y a ombre, il y a des ombres comme réponse. Si sans elles, nous n'existerons pas. Qui sommes-nous? Alors, nous suivons et menons la route uniquement lorsque passez devant nous. Je pense à l'ombre, forcément. Habillez-vous de noir, nous serons encore plus noirs. Ouais. Ouais, c'est l'ombre, forcément.
Bien, et on a eu quoi, 5K pour tout le monde, ce qui n'est pas grand chose, ce qui a quand même permis de passer à un niveau. On a eu un objet aussi, une bague de régénération, encore une. Et mais c'est cool, c'est plaisant. On est à un niveau donc, hein. Hop là, fertilité pareil, excellent. Bien, allons voir ce qui se trame vers ce côté. Et ensuite, on s'arrêtera pour aujourd'hui. Prochaine fois, nous irons au portail, derrière, c'est possible. Je sais pas s'il faut un truc pour rentrer là-dedans, possible. Et ensuite, on ira se tirer via le sorcier qui est là. Sur mon honneur. Mais avant de quitter, je ferai un sauvage. J'essaierai de désamorcer le piège, voir si on peut. Je suis bien sûr. Toujours prêt. Et ça me rappelle une histoire. Essayons de voir quand même s'il n'y a pas un piège qui traîne. Pas envie de crever de manière encore plus stupide. Ce qui aurait déjà pu arriver avant. Voilà ça. Nous avons une porte, hein. Pas de piège. Que voulez-vous? Je ferai de mon mieux. Je suis à l'abri. Et une sortie par là aussi, hein. Il y a un qui me dit de quoi il s'agit. D'accord. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Argile, hein. D'accord. What the fuck? Qu'est-ce que tu veux, comme tu dis. Non! Va crever! Oh bordel! Oui. Ah bah, un peu tard, pas grave. La courbe de ce con, toujours flippant de voir un golem qui vous court après à des vitesses hallucinantes. Ah, je fais un bug de régénération, et il va se régénérer. Ah! Tiens, prends ces multiples bugs de régénération. Je la régène, c'est avec toi. 64. Attends, on a plusieurs bagues, on pourra affiler ça au moins à Korgan, Minsk, et moi j'ai ma bague, donc la génération, hein. Ben, elle piégée, enfoiré. Eh oui, je ne peux pas, je suis allergique. Bon, très bien, je ne suis pas si allergique. Ouh, et celui, oh, ok. Avec flèche, carreau serpent, ça je prends. Opale noire. Et nous avons un sac pour porter mes objets quasiment à l'infini. Fléchette sanglante, fléchette de stun. Ce sac est un sac de contenance. Ça ressemble à un sac de tissu classique. Le sac sans fond ou pour l'espace non dimensionnel. Donc je peux ranger un paquet de choses, ce qui rend mon problème lié à la drogue et mon inventaire qui est toujours plein relativement pratique. Je vais pouvoir stocker mes potions et mes objets qui ne servent pas, comme ces gants pour l'instant, ou différents objets comme ces pieux ou ces joyaux pour mes objets à crafter, tout ça. Donc, ok. Sur mon honneur. Bien. Que voulez-vous? J'ai envie de voir ce qui se passe quand même à droite à gauche, hein. J'ai quand même envie, j'avoue. Je m'arrête, je le sais. Vous devez réunir votre groupe. Je me souviens ce qui se passe quand je vais en bas, je me souviens plus quand je vais en haut. Et je spawn ici. Au lieu de là. C'est pas une arène ça? Je crois que c'est une arène. Oui, certes. T'en ébruites pas aussi. Yann Yann, c'est pas mal notre numéro, non? Non, ta gueule, j'aime pas quand tu dis ça. Désolé. Oui, oui, c'est une tactique bien connue. Pas une sorte de bouquin ici aussi? Secret. Ce bouquin est particulier. Ce bouquin est un rituel d'invocation, je crois. Ou pas. On va vérifier. Pas de piège au moins, que je puisse pas en voir un. Quel est ce sera fait. Ce lieu rassemble avec celui-ci. Toujours prêt à rendre service. Oh, ça, je peux le faire. Essayons de trouver un piège éventuel. On a également un chemin qui est par ici, je ne sais pas pourquoi. On va découvrir ça à l'instant. Ce mur m'écrasera pas, au moins. Que dalle. Vraiment. S'il y a un chemin là. Non. Apparemment pas. Là, il faut se taper un piège qui traîne. Ce petit corridor.
quasiment autant de PV que des cognards. Ça alors. Sûrement, bien sûr. Je suis à l'abri des cieux indiscrets. J'aurais compris. Que voulez-vous? Je retourne. Un peu différent quand même. C'est pas quoi je pensais. Oh, du kobold. Tu mets case. Commando. Diablotin. Quasit. Commando, commando. Quasit. Je suis à l'abri des cieux indiscrets. Ouh. Giant commando. Qu'est-ce que. Donc c'est écarté du droit chemin. Comme ça, maintenant vénéré par les kobolds, il met une tranche de lumière. Vous attirez. Ok. Bon, bah, va falloir casser la gueule à des kobolds. Même s'ils ont bien commencé par le café. Pas un souci. J'arrive à flammer cette putain de créature volante. C'est moi ou déjà lancer des carreaux? C'est un arbalète. Ouais, lancer un carreau de base, pas un carreau enflammé. On a donc ça ici, ce chemin est différent. On ira par là en retour ou en tout du genre. Quoi qu'il en soit, j'aimerais examiner ça avant de partir, savoir où est-ce qu'on mettra les pieds. Veuillez pour tourner les pages jaunes de ce qui est grimoire. Ok, tout le monde les pages. Un visage qui apparaît. Oh, un monstre. Oh, c'est juste un kobold. Il n'y a rien à craindre. On a la page, bien sûr. Oui. Une araignée sabre. Bon, c'est pas si terrible que ça. Un peu comme autre chose. Nombre de roches. Ok, ça commence à être dangereux. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Pour l'heure, on va s'arrêter ici. Nous ne saurons pas que contient d'autres comme créatures démentielles contenant un grimoire de faible importance. On verra ça pour l'heure. Merci d'avoir suivi. À la prochaine. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Et ne devenez pas fous, sinon vous finirez ici. Ciao.